Donc nos systèmes, nos sociétés qui sont des systèmes, comment peuvent-ils apporter une certaine résilience, résistance, adaptation, élasticité, raideur, enfin tout ce qui peut être lié à l'analyse des systèmes. On a convié Arthur Keller pour nous parler de cette problématique, essayer de répondre à cette question de notre adaptation à ces enjeux. Je vais le laisser se présenter en disant qu'il est spécialiste, comme vous voyez, de systémique et en particulier associé à nos sociétés, à l'adaptation de nos sociétés face à ces enjeux. Je suis ingénieur de formation et effectivement aujourd'hui je me présente comme un spécialiste des risques systémiques qui pèsent sur les sociétés dans lesquelles nous vivons et accessoirement des stratégies de résilience que nous pouvons mettre collectivement en place face à ces risques. Voilà, pour me présenter vite fait. Donc bonsoir, mesdames et messieurs, merci d'être venus. Et pour ces 2 heures à peu près, intenses, je l'espère, en tout cas 2 heures qui ne seront pas forcément un très bon moment à passer. Je préfère vous prévenir tout de suite. Les premiers, allez, 60%, 2 tiers de cette intervention sont une baffe pour beaucoup de gens. Peut-être parmi vous, y en a-t-il qui connaissent bien un certain nombre des sujets que je vais aborder. J'ai envie de vous dire que la plupart d'entre vous, à moins vraiment d'avoir creusé très 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 loin et de connaître un peu déjà mon travail, la plupart d'entre vous, même parmi ceux qui connaissent bien ces sujets, je pense que j'ai un ou deux scoops pour vous. Dans un premier temps, néanmoins, je vais passer par une espèce de rappel des épisodes précédents, c'est-à-dire que je vais faire un état des lieux, une synthèse de choses que vous avez pu lire à droite et à gauche, avant vraiment d'arriver au cœur du sujet, c'est-à-dire la systémique de ces choses-là. Et oui, je vais parler du dérèglement climatique, évidemment. Et oui, vous allez comprendre que si vous ne l'aviez pas déjà compris, que c'est un problème systémique. Mais par contre, on m'a demandé de venir non pas pour parler du dérèglement climatique, mais pour recadrer en fait le débat et pour remettre le dérèglement climatique ou le changement climatique, pour le remettre ça dans un cadre plus large qui lui-même est systémique et comprendre que le dérèglement climatique ne peut pas s'attaquer tout seul, indépendamment, d'autres problèmes, et surtout d'un problème de fond, d'une cause racine que je vous proposerai en termes d'analyse. On verra que pour l'instant, aujourd'hui, tout ce que l'on fait pour s'attaquer au dérèglement climatique correspond à peu près à la phrase suivante: essayer de résoudre un problème sans gêner le système qui l'engendre. Vous allez voir que ça, c'est pas trop possible. On peut améliorer des choses, mais tant qu'on ne met pas en question le reste de la société, en tout cas celle qui crée le problème, je vois pas comment on va pouvoir courir derrière tous les symptômes, l'addition et la multiplication des symptômes, et réussir à s'en tirer. Bon, commençons déjà. Ça marche, ouais. Commençons déjà par dire que j'arrive avec des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle principale, c'est que le monde, le système, vous m'entendrez dire souvent ce soir, les sociétés dans lesquelles nous vivons n'en ont plus pour très longtemps, et tant mieux. Voilà, tant mieux parce que, en réalité, même si nous sommes ici, pour la plupart d'entre nous, des privilégiés, peut-être pas tous, mais beaucoup d'entre nous, moi le premier, hein, malgré tout, le fait que nous vivions des vies relativement confortables jusqu'ici a un prix. Il a un coût sur d'autres ou sur d'autres endroits dans le système et sur demain. Et ce système-là est en train de détruire, on va le voir juste après, ne serait-ce que cela, la vie sur Terre, le vivant terrestre. Donc il est temps que ça s'arrête. Maintenant, le fait que ça s'arrête n'est pas une bonne nouvelle en soi. Le fait que ça continue serait une mauvaise nouvelle. Tout va dépendre de comment ça s'arrête. On va voir ça ensemble. Dans ce qui suit, je vais annoncer des choses qui peuvent paraître extraordinaires à certains qui ne sont pas tout à fait au fait de ces questions-là. Et je vais essayer d'appliquer un principe qu'on utilise en zététique. Je ne me revendique pas zététicien moi-même particulièrement, mais disons que la zététique est le bon usage du scepticisme. Et lorsque on nous annonce quelque chose d'extraordinaire, cette chose-là est absolument pas crédible, à moins qu'elle s'accompagne de preuves extraordinaires. Donc, quand je vais vous annoncer quelques petites choses
qui sont totalement en déphasage par rapport à tout ce que vous pouvez entendre, ou presque, en tout cas dans les médias grand public, j'essaierai, je vais essayer d'apporter des preuves extraordinaires pour que ce soit cohérent et convaincant. Je bois un coup et ensuite, on va voir ensemble, tout d'abord, comment on comprend quoi. Déjà, comprendre vraiment la problématique. Donc là, je vais passer assez rapidement sur un certain nombre d'études qui existent. Elles sont toutes référencées. Quoi qu'il en soit, dans ce qui suit, cette première partie, vous ne m'entendrez à aucun moment dire mon avis, mon intuition, mon opinion personnelle. On s'en fiche complètement de ce que pense Arthur Keller. Et d'ailleurs, vous devriez vous ficher complètement de ce que vous pensez vous-même. Car sur les sujets que je vais aborder, on sait, on est au courant, ou on ne sait pas. Alors je ne dis pas que la science a tout compris, c'est loin d'être le cas. Pour autant, il y a pas mal de choses qu'on est capable aujourd'hui de comprendre, d'observer, hein, de quantifier, de mesurer. Et on sait, ou on ne sait pas. On vit tous dans des décors, donc c'est facile de ne pas savoir. On vit dans des décors urbains pour la plupart d'entre nous, des fois des décors ruraux, mais aussi des décors dans nos têtes, des décors sociaux, des décors culturels plutôt, idéologiques. Et on voit le monde à travers certains prismes. Mais voilà ce que nous dit la science. La science nous dit déjà tout d'abord que nous vivons dans un monde qui a des limites. Et quand bien même le monde n'est pas isolé du reste, enfin le monde, la Terre, parlons du système Terre, quand même nous ne sommes pas isolés du reste de l'univers, hein, on a des radiations qui rentrent et de temps en temps quelques petites roches, et puis on renvoie des radiations infrarouges surtout vers l'espace, quand bien même donc on n'est pas adiabatique, pour certains qui ça parlera, malgré tout, pour la grande majorité des choses que nous utilisons et que nous consommons, il y a des limites, soit des stocks finis, soit une capacité de renouvellement limitée. Il y a une étude parue en 2009, une remise à jour depuis, qui s'appelle la grande accélération, The Great Acceleration en anglais, vers laquelle je vous renvoie, qui étudie un certain nombre d'évolutions de grands processus ou de grandes dynamiques au niveau mondial. À gauche, nous avons des dynamiques au niveau du monde humain. Donc, par exemple, ici, la population mondiale. Ici, par exemple, on a l'énergie primaire, l'utilisation d'énergie primaire, l'utilisation de l'eau, les transports, télécommunications, etc. Et dans un certain nombre de domaines, beaucoup de domaines, il y a des courbes comme ça qui augmentent incroyablement de flux d'énergie ou de matière liées à ces activités. La petite ligne que vous voyez, la verticale en pointillé, c'est 1950. Donc, dans la plupart des cas, c'est depuis les années 50, voire un petit peu après, qu'il y a ce décollage et cette accélération absolument incroyable des courbes. Et à droite, vous avez ce que ça implique au niveau naturel. Dans le monde naturel, eh ben, forcément, conséquence, on a des accélérations également d'un certain nombre de choses. Ici, le dioxyde de carbone atmosphérique, l'oxyde d'azote atmosphérique, le méthane, l'acidification des océans, la perte de forêts tropicales, etc. Et donc, oui, nous sommes en train de provoquer des accélérations terribles d'un certain nombre de flux d'énergie et de matière. Et il se trouve qu'il y a des limites, comme je le disais. Et là, je vous renvoie vers une autre étude qui est excellente, qui s'appelle les limites planétaires, The Planetary Boundaries en anglais, de 2009, mise à jour en 2015, du Stockholm Resilience Center. Ils ont étudié le système Terre, parce qu'il y a une science, enfin en tout cas un champ scientifique, qui s'appelle la science du système Terre. C'est pas une expression qui est très usitée en français. Si vous allez sur Wikipédia, vous verrez qu'il y a un article en anglais qui est Earth System Science, avec un certain nombre de sous-disciplines qui concourent à l'étude du système Terre. Et le système Terre, on va en parler juste après. Le système Terre, en tout cas, c'est, on va dire, c'est là où on vit, et ça nous inclut d'ailleurs. Ils ont, dans cette étude, essayé de caractériser ce qu'on pourrait appeler, alors je vous le dis en anglais, après je traduirai en français, mais en français, c'est pas si facile. C'est a safe operating space for mankind. Une zone de vie stable pour l'humanité. Donc là, ici, sur ce schéma, c'est symboliquement représenté par le cercle en vert. Et l'idée derrière cette zone, c'est de dire la chose suivante. Quand quelque chose sort de cette zone, c'est qu'on est au-delà de la stabilité et qu'on crée donc des dérèglements qui dégradent l'ensemble du système Terre, plus c'est réversible ou pas. Ils ont identifié un certain nombre de limites à ne pas dépasser, de différentes natures, où si on dépasse un certain seuil, on commence à dégrader, on commence à perturber,
et on sort de la zone de stabilité. Donc tout en haut, par exemple, ici, on a le dérèglement climatique. Bon, voilà, donc on est en plein dans le sujet, vous êtes tous au courant, on est hors de la zone de stabilité, nous sommes en train aujourd'hui de sortir de cette zone de stabilité qui a un peu moins de 12 000 ans, à peu près 11 700 ans, depuis la sortie de la dernière ère glaciaire, et donc depuis le début de ce qu'on appelle l'Holocène. Nous avons depuis presque 12 000 ans une stabilité climatique au niveau mondial, à peu près, hein, avec des fluctuations, mais c'est assez stable. C'est assez stable pour que l'homme ait pu trouver ou créer l'agriculture, ait pu se sédentariser, ait pu créer ensuite des sociétés et des civilisations. Et on est en train de sortir de cette zone de stabilité. Ici, nous avons encore, vous voyez, c'est bien pire dans ce champ de domaine-là. En tout cas, le dérèglement est bien plus sauvage encore. La diminution de la biodiversité. Donc, effectivement, nous allons le voir juste après, vite fait, mais sur le plan de la biodiversité, le dérèglement est absolument terrifiant. Et encore bien pire, dans ce silo-là, encore bien pire que en matière climatique. Après, je ne suis pas en train de comparer, ce sont des choses différentes. Mais dans ce domaine-là, la disruption est encore pire que dans le domaine climatique. Ici, là où nous avons les cycles biogéochimiques, et notamment alors, les cycles de l'eau, du carbone, de l'oxygène, tous les grands cycles dont dépend l'habitabilité de la planète Terre. Ils sont aujourd'hui tous plus ou moins déréglés. Il y en a deux qui sont très déréglés, qui sont le cycle de l'azote et le cycle du phosphore. Tout à l'heure, on parlera très brièvement du cycle du phosphore, parce que je voudrais, si vous ne le savez pas, que vous sachiez à quel point c'est important. Ici, nous avons le changement dans l'affectation des sols. Et effectivement, l'usage des sols, aujourd'hui au niveau mondial, crée des dérèglements au niveau pédologique. La pédologie, c'est l'étude des sols. Et on va voir également, on va le dire rapidement, on est hors de toute zone de stabilité ici. Et enfin, on se rapproche ici de la limite en matière d'acidification des océans. Certains disent qu'on l'a déjà dépassé. Mais bon, ça, c'est pas. Les experts ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus. Donc, nous avons une accélération terrible d'un certain nombre de flux d'énergie et de matière dans un système qui est borné. Et cela engendre des dépassements écologiques, des dépassements d'un certain nombre de seuils et des dérèglements dont certains sont irréversibles. Qu'est-ce qu'on dérègle? Alors moi, j'ai une spécialité en tant qu'ingénieur en astronautique. En astronautique, on conçoit des véhicules ou des vaisseaux spatiaux. Et donc, certains peuvent être habités. Dans un vaisseau spatial habité, par exemple la Station spatiale internationale, nous avons ce qu'on appelle les systèmes de support de vie. Le système de support de vie, c'est tout ce qui rend la vie à bord possible. Donc ça va maintenir la température dans une certaine gamme, la pression atmosphérique, le niveau hygrométrique de l'air, ça va être une concentration en oxygène, en dioxyde de carbone, ça va aussi être les déchets, l'eau, le recyclage de l'eau, la purification de l'eau, ça va être les boucliers contre les radiations, etc. Tous ces systèmes-là sont vitaux et ils sont tous contrôlés d'une manière extrêmement précise. Et si ça déconne, ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est une alerte rouge absolue. Si il y a 0,1% de CO2 dans l'atmosphère par rapport à ce qui est prévu, alors là, c'est lumière rouge partout. Bon, métaphoriquement, parce que je ne sais pas si ça arrive. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une alerte absolue et qu'on arrête sur le champ tout ce qu'on fait, on trouve la panne, on la résout. Nous sommes sur un vaisseau spatial, la planète Terre. Nous sommes les passagers et nous sommes en train de dégrader, pas 0,1%, bien dégrader les systèmes de support de vie de la planète sur laquelle nous vivons. Et pour l'instant, personne ne réagit à l'urgence, même si il y a quelques prises de conscience, notamment sur la question climatique, mais on va voir après que c'est largement insuffisant. Alors maintenant, faisons le tour de lieu, un espèce d'état des lieux de ce système Terre dans lequel, ou avec lequel, nous vivons. La première dimension de ce système Terre, c'est la lithosphère. C'est le manteau externe de la couche terrestre. Je vais vous attirer vers quelques-uns des minerais, ou en tout cas des ressources, que l'on trouve à l'intérieur de ce système Terre. Quelques-uns des minerais qui me paraissent être importants ou intéressants à certains égards. Commençons par le pétrole. Nos sociétés ont besoin de pétrole. D'accord ? Bon, c'est assez tautologique, mais ce n'est pas tout. Nos sociétés ont besoin en permanence d'un pétrole qui est ni trop cher, sinon gilet jaune, plus peut-être, ni trop bon marché, sinon l'industrie n'est plus rentable. Or, une industrie qui
dépense pour chaque baril qu'elle produit, parce qu'elle ne peut pas le vendre aussi cher que ça lui a coûté de le produire, ben, elle fait faillite, sauf si elle est lourdement financée par un État, mais pour ça, il faut de l'argent. Typiquement, les États-Unis, aujourd'hui, ils ont une industrie du pétrole de schiste qui est extrêmement solide pour l'instant. Solide uniquement parce que l'État est derrière, les banques, et que les banques sont derrière. Et via les banques, on finance cette industrie. Mais cette industrie n'est pas du tout rentable. Elle n'a pas rapporté un dollar depuis plus de 10 ans. C'est uniquement parce que les États-Unis sont un pays riche qu'ils peuvent se permettre ça. Le Venezuela, par contre, est le pays qui a les premières réserves de pétrole au niveau mondial, si on regarde le pétrole conventionnel plus non conventionnel. C'est surtout du non conventionnel. Il coûte très cher à produire. Et quand, vers 2014, quand les pays de l'OPEP se sont entendus pour jouer sur les prix de la ressource et que le prix du baril a chuté, eh bien, ça coûtait plus cher au Venezuela de produire un baril que de ne pas le produire. Enfin, ça coûtait plus cher de le produire que de le vendre. Donc, il valait mieux ne pas le produire. À partir de là, le pays qui avait tout misé sur le pétrole parce qu'il pensait être les rois du pétrole à jamais, vu leurs réserves, ce pays-là s'est retrouvé totalement en faillite, incapable de maintenir son industrie parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour cela. Ils se sont effondrés. Après, il y a d'autres raisons, mais les raisons principales, elle est là. Au niveau mondial, voici comment ont évolué les ressources, les découvertes de pétrole depuis les années 50. Alors on voit bien que l'âge d'or des grandes découvertes, il est passé. Il est passé depuis une cinquantaine d'années, en réalité. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de remplacement du pétrole conventionnel de 16% en 2019. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque pétrole qu'on découvre, on en consomme 6. Voilà ce que ça veut dire. Fin 2018, l'Agence internationale de l'énergie... Alors, elle dit des bêtises des fois. Enfin bon, bref, dans son World Energy Outlook annuel, elle a dit, je lis, le risque de resserrement de l'offre est prégnant pour le pétrole. Ces 3 dernières années, le nombre moyen de nouveaux projets approuvés de production de pétrole conventionnel ne représente que la moitié du volume nécessaire pour équilibrer le marché jusqu'en 2025. Fin 2020, la directrice générale de la stratégie et de l'innovation de Total Energy maintenant, a déclaré qu'il risquait d'y avoir un déficit d'approvisionnement de 10 millions de barils par jour d'ici à 2025. Nous consommons, l'humanité consomme 100 millions à peu près de barils par jour, donc 10 millions de barils par jour, c'est à peu près un dixième de la production mondiale, de consommation mondiale. En février 2021, Shell a annoncé que la compagnie avait passé son pic en 2019, que la production reculerait d'1 à 2% par an. La Russie, qui fournit à l'Europe un tiers de son pétrole, a également annoncé qu'elle avait probablement passé son pic en 2019. Et M. Pouyanné, le PDG du groupe Total, dit que répondre à la demande mondiale en 2025 nécessiterait d'ici là le déploiement de capacités de production supplémentaires équivalentes à 2 fois l'Arabie Saoudite. Non. À moins que vous ayez un champ pétrolier à Poitiers pour sauver le monde, ça n'arrivera pas. L'Agence internationale de l'énergie nous dit, ben, du coup, on va miser sur les non-conventionnels. Il faut, pour compenser la chute qui arrive, qui vient, il faudrait multiplier par 3 la quantité de pétrole qui est produite par l'industrie des huiles de roche-mère américaine. Sauf que les industriels, les professionnels de cette industrie-là nous racontent que ben non. Non, multiplier par 3, ça ne va pas être possible. Multiplier par 1,2 ou 1,3 peut-être maximum. Donc, je ne suis pas en train de vous dire demain, il n'y a plus de pétrole. Je suis en train de vous dire, imaginez, oh, il n'y a pas de souci. Non plus. Il y a beaucoup de gens qui partent de ce principe-là, qui disent, oh, mais ils nous énervent, les excités du peak oil, qui déjà, il y a 40 ans, nous disaient, il n'y aurait plus de pétrole, on en a encore, dans 40 ans, il y en aura toujours. Et c'est tout, voilà, c'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il y a un vrai risque que la ressource devienne contrainte dès les prochaines années, dès les années 2020. Et si ce n'est pas dans les années 2020, ce sera dans les années 2030. Voilà, ce ne sera pas au-delà. Et à partir du moment où cette ressource sera contrainte, tout le monde n'en aura pas. Pas au prix qu'il veut, en plus. Et donc, ben, la question n'est pas est-ce qu'il n'y en aura plus sur Terre. Oh si, il y en a encore, ne vous inquiétez pas. Il y en a même trop, du point de vue climatique. Pour autant, la question, elle va être, y en aura-t-il à Poitiers? Et si oui, combien et à quel prix? C'est ça la question pour vous. Et c'est la question pour tout le monde, là où il est. Parce que, ben parce que ça, hein, la France produit 1% du pétrole qu'elle consomme. Bassin parisien, bassin aquitain, 1%. Toutes les activités humaines, toutes demandent du pétrole. En amont,
ou en aval ou pendant. Vous me dites, si, quand je vais faire un footing dans la forêt, si vous allez faire des footings dans la forêt, j'ai pas besoin de pétrole. Et je vous rétorquerai, à moins que vous y alliez pieds nus, il a quand même fallu du pétrole pour faire vos godasses. À la base, vous ne courez pas si vous n'avez pas des calories à brûler. Ces calories, elles sont venues d'où ? De nourriture. Cette nourriture, à moins que vraiment vous fassiez partie des quelques-uns qui produisent l'intégralité de leur nourriture eux-mêmes sur leur terrain, cette nourriture, il a fallu du pétrole pour la créer. Nous avons aujourd'hui une production agricole qui est dépendante du pétrole, de la graine à la fourchette. Donc, oui, en France, ce n'est pas du tout gagné qu'on ait suffisamment de pétrole pour tout faire toujours, tout le temps, autant qu'on veut. Or, qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas le cas ? Tout en dépend, jusqu'à la production de notre bouffe, de notre eau. On pourrait croire que l'eau, c'est pas le pétrole qui la produit. Non, l'eau, non, mais l'eau potable, oui. Rendre l'eau potable, ça demande beaucoup d'énergie. Bon, je continue. Parce qu'on n'a pas qu'un problème de pétrole, on a un problème de minerais, de manière générale. Il y a des minerais pour lesquels tout va bien, merci. On en a encore pour un certain temps, mais il y a beaucoup de minerais. C'est pas le cas. On a besoin aujourd'hui, énormément de minerais différents pour alimenter notamment notre industrie et tout ce qu'on en fait. Et alors, on est capable, et on va très loin pour aller chercher ces minerais. On est capable de beaucoup d'efforts. Là, je vous mets une photo d'un petit bulldozer, petit entre guillemets. Hein. Donc là, les pneus, si vous voulez, ils font 2 mètres, presque 2 mètres 50 de diamètre. Là, c'est une cabine pour quelqu'un. C'est quand même très très gros. Si je vous montre ça, c'est pour que vous compreniez la taille d'une excavatrice à godet. Parce qu'il est ici, le bulldozer. Donc vous voyez la taille d'une excavatrice à godet. Et puis, si je vous montre ça, c'est pour que vous compreniez la taille de, par exemple, ça. Une mine à ciel ouvert, où on a une excavatrice à godet ici, une là, une là, une là. Et ça, par exemple, c'est Garzweiler, en Allemagne, à côté de Cologne, une superficie à peu près de la ville de Lyon, où on fait de l'extraction de houille, en l'occurrence. C'est dommage, parce que 98% de la forêt de Hambach a été détruite en 40 ans. C'était la plus belle forêt primaire, encore au milieu du siècle dernier, d'Europe. On va très loin pour récupérer ces minerais qui nous sont chers. Il y a ce qu'on peut appeler des matrices de criticité. On regarde ici, en abscisse, les risques sur les approvisionnements. Plus on va à droite, plus il y a un risque fort sur les approvisionnements. Et en ordonnée, l'importance stratégique pour l'industrie française. Donc ça, c'est des études du BRGM, du Bureau sur les minerais. Je ne sais plus le titre, je ne vais pas dire de bêtises. BRGM, Bureau de recherche géologique et minière. Voilà. Et donc, plus on va en haut à droite, plus évidemment, ça, potentiellement, il y a des problèmes. Ça, c'est uniquement... c'est essentiellement des spéculations ou des évaluations d'ordre géologique. D'accord ? Mais est-ce que c'est forcément un problème géologique ? Est-ce qu'on ne va plus en avoir parce qu'il n'y en a plus ? Prenons un exemple. Attends, je vais vous poser une question plutôt. Donc, vous avez compris, on a un problème de climat. Vous l'avez compris, il faut décarboner un certain nombre de choses. Et vous l'aurez compris, pour y arriver, on va faire une grande transition énergétique. Bon. Quels sont les, à la rigueur, les 2 ou 3 métaux les plus importants pour cette transition énergétique, selon vous ? Cuivre ? Cuivre ? Lithium pour les batteries ? Silicium, oui, mais il y en a beaucoup du silicium. Pardon, quoi ? Cobalt, effectivement, pour les batteries aussi. Lithium, cobalt, presque même combat. Alors, ça tombe bien, on va parler du cuivre et un tout petit peu de lithium. Voilà comment évolue la consommation mondiale de cuivre depuis le début du XXe siècle. C'est la courbe orange. Bleu, c'est l'acier, mais on n'en parlera pas. C'est la courbe orange. La courbe verte, c'est une exponentielle à 3,5%. Donc vous voyez, on est vraiment sur une exponentielle à très peu de choses près. Et ça continue, ça augmente terriblement. Là, on est en 2016, à la fin, je vais vous dire que la courbe, maintenant, elle est là-haut. Hein. Le cuivre, il y en a besoin pour tout. C'est un conducteur thermique et électrique hors pair. On ne peut pas le substituer, ou alors on peut, mais à ce moment-là, on perd énormément en performance et ce ne sera plus du tout les mêmes systèmes. On a besoin de cuivre pour tous les systèmes électriques et électroniques. Vous voulez une voiture électrique ? Il faut du cuivre. Vous voulez construire des éoliennes ? Il faut beaucoup de cuivre. Tous les nouveaux systèmes, les smart grids, si vous voulez,
tous les systèmes qui vont demander d'avoir un réseau électrique qui s'étend parce qu'on va électrifier plus de choses, c'est plus de cuivre. Bon. Et du cuivre, il y en a beaucoup? Ouais. Ça va. Il y en a pas mal. Le problème, c'est il est où? Au Chili. Un quart du cuivre, pas non plus 100% du cuivre, mais un quart du cuivre mondial vient du Chili. Pour ceux qui ne voient pas, là, c'est autre pays, en haut à gauche. Donc, le cuivre vient en premier, en tout cas, quand je dis le Chili, attention, ce sont les réserves, hein. Je ne parle pas de la production. En l'occurrence, les réserves de cuivre sont au Chili. Et c'est pareil pour le lithium. Le Chili a également les premières réserves de lithium mondiales. Bon, mais c'est où? C'est loin. C'est dans la cordillère des Andes. Et qu'est-ce qu'il faut pour aller chercher ce cuivre ou ce lithium? Eh bien, il faut beaucoup, beaucoup d'eau. Et le problème, c'est qu'à cause du dérèglement climatique, il n'y en a plus assez. Et donc maintenant, déjà, on est obligé de faire des choix entre est-ce qu'on utilise cette eau pour faire pousser de la bouffe ou est-ce qu'on utilise cette eau pour aller chercher le cuivre ou le lithium. Alors, on pourra toujours dire il suffit de désaliniser, parce que finalement, il y a l'océan Pacifique qui n'est pas très loin, mais pas très loin, tout est relatif. Parce qu'il faut également, on pourrait imaginer effectivement construire d'énormes usines de désalinisation qui sont extrêmement énergivores. Comment serait produite cette énergie? Pas sûr. Est-ce que ça ne serait pas très émissif? Pour ensuite amener sur des milliers de kilomètres jusqu'au milieu de la cordillère des Andes par des aqueducs. Pourquoi pas, hein? On a fait des choses incroyables, mais ça ne va pas se faire en claquant des doigts et pour l'instant, on n'y est pas. Or, on atteint déjà des limites. Aridité qui perturbe la production de cuivre au Chili, des cuivres de Chili victimes du manque d'eau. Pour ceux qui suivent la bourse, on a d'énormes tensions sur le marché du cuivre au niveau mondial, avec les prix qui se sont envolés. Cet article-là précise bien que les prix ne sont pas tirés à la hausse par la demande, mais bien par une offre insuffisante, avec le niveau des réserves de cuivre au niveau, enfin, les réserves de cuivre au niveau mondial qui sont à leur niveau le plus bas depuis 47 ans. Bon, est-ce que c'est structurel, conjoncturel? Je ne peux pas vous dire précisément. Mais de toute manière, la grande tendance, c'est qu'il n'est pas du tout gagné qu'on puisse avoir autant de cuivre que ce dont on a besoin pour effectuer cette transition énergétique qui est si nécessaire. L'Agence internationale de l'énergie dit que pour les usages dans la mobilité dans l'énergie, la quantité de cuivre qui va être nécessaire à cette transition dont on nous parle devra être multipliée par environ 20, voire un peu plus, dans les 20 prochaines années. On est bien d'accord, hein? 20 fois ça, même un peu plus déjà. Vous voyez un petit peu le délire. Pas du tout sûr qu'on puisse. Pour ceux qui étaient à la COP, je ne sais pas si vous avez entendu ça, moi je n'y étais pas, mais j'ai eu pas mal de retours. Ce que j'ai eu comme retour, c'est on traite le climat en silo, absolument aucune prise de conscience des limites géologiques, des limites en termes de minerais qui peuvent bloquer la transition énergétique. Ça n'était même pas au sujet des négociations. Et en ce qui concerne la biodiversité, très peu présente aussi. Donc un certain nombre de choses qui sont proposées pour lutter contre la crise climatique qui vont aggraver la crise de la biodiversité. Bref, la systémique, zéro. Même à ce niveau-là, même au niveau où on est en droit, j'ai presque envie de dire, de demander une vision quand même un petit peu large, un peu systémique, une capacité à se projeter des experts et des dirigeants, presque rien. La systémique ne fait pas partie de nos modes de pensée. J'attire votre attention sur le fait que pour les principaux minerais, il n'y a pas grand-chose en France. Et donc là encore, nous sommes tributaires de notre capacité à les importer dans une situation où ça va se tendre, parce que ça va devenir contraint. Ah, et puis s'il y a moins de pétrole, je vais vous dire un truc, il y a moins de tout. Ne pensez pas que s'il y a moins de pétrole, on va compenser parce qu'on va développer à côté d'autres façons de faire l'énergie. Non, s'il y a moins de pétrole, il y a moins de tout. On n'est pas capable d'aller chercher les autres minerais sans pétrole. Alors, est-ce que c'est un problème d'énergie ou est-ce que c'est un problème de matière première? Les deux, mon colonel. Le problème, c'est qu'on a de moins en moins... c'est que les minerais sont de moins en moins concentrés et donc, il faut toujours plus d'énergie pour aller les chercher. Or, l'énergie est toujours moins accessible et donc, on a besoin de toujours plus de matière première pour aller la chercher. C'est ce cercle vicieux qui nous entraîne plus vite qu'on ne croit vers des limites. Je continue. Qui sait ici qu'on a un problème de sable? La moitié de la salle a vu de pif. On commence à manquer de sable. Alors, pas n'importe quel sable, bien sûr. Tout à l'heure, quelqu'un a dit silicium, là, je ne sais pas qui. On a beaucoup de sable.
mais pas du sable utilisable en construction, pas du sable utilisable pour nos infrastructures, pas du sable utilisable pour construire notamment les parcs d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques, peut-être de nouveaux barrages et que sais-je, dont on a, ou de nouvelles centrales dont on a besoin pour cette transition énergétique. Parce que le sable de construction, il est un peu particulier. Ce n'est pas du sable de désert qui est trop rond, trop lisse, qui n'accroche pas. C'est du sable anguleux qui est un peu particulier. C'est du sable qu'on trouve essentiellement dans la mer. Et il se trouve qu'on en manque. Pourquoi on en manque ? Il y a une étude sur une période qui est de 3 ans, entre 2011 et 2013. Il y a une étude qui m'a appris, hein, quand j'ai découvert cette étude, je ne savais pas avant quels étaient les ordres de grandeur, qui m'a appris que là, on avait un problème massif d'augmentation des ordres de grandeur. Et je n'ai pas pu trouver d'études plus récentes. Par contre, j'ai quand même pu trouver des informations qui toutes me font penser qu'aujourd'hui, les ordres de grandeur sont à peu près similaires à ce qu'il y avait il y a 10 ans. Bon, il se trouve qu'entre 2011 et 2013, la Chine a consommé à peu près une fois et demie plus de béton que les États-Unis pendant tout le XXe siècle. Voilà. Et pas le Luxembourg, hein, les États-Unis. Donc, prendre conscience de ça est fou. Est absolument fou. Bien évidemment, vous le savez sans doute, l'industrie du béton, du ciment, est extrêmement... C'est pas pareil, hein, le ciment-béton, mais c'est très proche, on va dire. Est extrêmement émissive. Aujourd'hui, nous avons des pénuries de pétrole et nous avons des mafias de sable. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent, qui se font tuer pour du sable. Il y a des littoraux entiers qui se font voler par des mafias de sable. Mafias du sable. Bon, passons également, faisons un petit tour du côté du phosphore, parce que le phosphore, c'est la vie. Phosphorer, c'est pas pour rien qu'on dit ça. Pour ceux qui se souviennent de leur cours de biologie, ce qui donne l'énergie à nos cellules, c'est l'ATP, l'adénosine triphosphate. Et si vous regardez la composition de l'ADN lui-même, il y a du phosphore dedans. Le phosphore est indispensable à toute forme de vie, quelle qu'elle soit. Dès qu'il y a de l'ADN, il y a du phosphore. Le cycle du phosphore naturel, c'est quoi ? Comme les autres cycles, comme le nom l'indique, c'est censé reboucler. C'est quoi ? Il y a du phosphore dans le sol, sous une certaine forme, qui est utilisable par les plantes. Les plantes poussent, il y a des animaux qui bouffent ces plantes. Éventuellement, il y a d'autres animaux, des humains ou pas, qui bouffent les animaux. Et au final, qu'est-ce qu'ils font ? Ils meurent sur place, un peu plus loin, bien sûr. Hein. Et puis, ils se font dégrader, il y a des charognards qui passent, et puis ensuite, il y a tout un tas de micro-organismes qui passent, etc. Et ça retourne au sol. Bon, aujourd'hui, les humains ne font pas ça. Ils ne vont pas encore, même s'il y a de l'humusation, pour ceux qui... Allez vous renseigner, c'est amusant pour ceux qui ne connaissent pas. La plupart des humains ne vont pas mourir dans le sol comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le phosphore du sol, on fait pousser des plantes, on mange les plantes ou on mange les animaux qui ont mangé les plantes, et ensuite, on va... voilà. On va chier dans l'eau potable, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite, ce phosphore, sous forme ionisée, il part dans les rivières. Il y a extrêmement peu qui est retenu par les stations d'épuration, parce que ce sont des chaînes courtes, et les stations d'épuration, les filtres retiennent plutôt les chaînes longues. Nous avons dans le meilleur des cas, mais vraiment le meilleur des cas, jusqu'à un quart du phosphore qui est retenu. Le reste part à l'eau, où ça crée ensuite dans les rivières, puis dans les océans, où ça crée d'autres problèmes de nature écologique. Et nous avons donc ici un parcours linéaire du phosphore qui va du sol en passant par nous jusqu'à l'océan. Voilà, c'est absolument vital et on le jette. On ne reboucle pas ce cycle. Mais alors, il n'y a plus de phosphore dans le sol. Ah oui, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus du phosphore dans le sol. Ça fait longtemps que le sol est absolument incapable de produire quoi que ce soit. Sauf si on le perfuse avec des engrais NPK, azote, phosphore, potassium. Donc on vient artificiellement rajouter ce dont il manque, notamment le phosphore. Et il vient d'où ce phosphore-là ? Ah ben il vient de mines, de carrières. Elles sont où ? Là. 70%, même selon certaines estimations, 75% du phosphore au niveau mondial, il est dans le sud du Sahara. Il est dans le Sahara occidental, pardon, dans le sud du Maroc. Et bon. Si on en avait énormément,
à la rigueur, bon, ce ne serait peut-être pas un problème. Mais il se trouve que certains experts, je dis bien certains parce que les experts ne sont pas d'accord entre eux, hein, donc il n'y a pas de certitude là-dessus. Certains experts nous disent que le pic de phosphore au niveau mondial, c'est dans les années 2030, au mieux 2040. À partir de là, selon eux, donc, eh bien, la ressource va devenir contrainte. Est-ce qu'on en aura ? À quel prix ? Si on n'en a pas, qu'est-ce qui se passe ? Oh, ben, c'est pas grave, on arrêtera d'utiliser des engrais ? Vraiment ? Mais si on arrête d'utiliser des engrais sur des sols qui ont été cultivés en intensif pendant des décennies, le sol, il ne produit plus rien. Le sol, il meurt. Faire revivre un sol, c'est possible, sauf dans des cas extrêmes où carrément on ne peut plus rien faire, mais c'est possible, mais ça demande 5 à 20 ans. Comment on fait la transition ? Bon, ben c'est bien, ça tombe bien, parce qu'on a justement 5 à 20 ans pour traiter ce problème. Mais par contre, il faut dès maintenant reboucler le cycle des nutriments, notamment le cycle du phosphore. Il est absolument totalement fou de continuer à chier dans l'eau potable. Bon, tout ça, et bien d'autres questions. Ce sont des problèmes de stock, oui, d'accord, mais c'est surtout des problèmes de flux. En a-t-on assez pour fournir à nos sociétés en entrée ce dont elles ont besoin pour fonctionner ? La deuxième partie du monde naturel, ou du système Terre, c'est l'hydrosphère, c'est l'ensemble des eaux, et mer, océan, lac, cours d'eau, également les eaux souterraines, aquifères. Et je vais vous faire un petit topo de l'état de dégradation avancée de l'hydrosphère. Nous avons des pollutions et des déchets au niveau mondial, chimiques, physiques, matériels. Là, en l'occurrence, une photo prise aux Philippines. Ça concerne les hommes et aussi les animaux, sur terre comme en mer. Et ça concerne également nos propres écosystèmes intérieurs, car nous sommes des écosystèmes, chacun de nous, avec beaucoup de bactéries à l'intérieur de nous. Il se trouve que nous absorbons beaucoup de plastique sous forme de micro- et nanoplastiques. On évalue, du moins une étude parue il y a 2 ans, on évalue que dans nos pays occidentaux, riches, on va dire, dans nos pays, les gens absorbent sans le savoir en moyenne 5 grammes de plastique par semaine. Et selon cette étude, ça équivaut à une carte bancaire. Donc, chacun d'entre vous, sans le savoir, ingère environ 50 cartes bancaires par an. On n'est pas plus riche pour autant. L'hydrosphère s'acidifie. Ça, bon, c'est un cas extrême, mais ça se ressent évidemment surtout au niveau de la barrière de corail, des barrières de corail au niveau mondial. Bon, 0,2% de la surface des océans, mais 25% de la biodiversité marine qui est concentrée dans la barrière de corail des Caraïbes. Les coraux vont mourir. Les coraux vont disparaître. Alors, quand je dis ça, j'exagère un peu. Ce qu'un spécialiste vous dirait précisément, c'est la chose suivante. Si le réchauffement global dépasse les 2 degrés Celsius, on évalue que plus de 99% des coraux au niveau mondial vont disparaître. Bon, ils vont disparaître. Nous ne l'aurons pas. C'est très très mal parti pour que ce ne soit pas le cas. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les 25% de la biodiversité marine qui ne sait pour l'instant vivre que là ? Qu'est-ce qui va se passer aussi pour les centaines de millions de personnes qui en dépendent directement pour leur subsistance quotidienne ? Je ne sais pas. Un réchauffement, évidemment, de l'hydrosphère. Je ne vous fais pas un topo. Vous savez peut-être que la quantité d'énergie supplémentaire qui rentre dans le système, enfin en tout cas qui n'en ressort pas, et qui fait qu'il y a un réchauffement planétaire, part à 93% dans les océans. Après, c'est 3% dans les terres, 3% dans les glaces, dont on va parler juste après, et 1% dans l'atmosphère. On a une montée des eaux. On est proche de 4 mm par an de montée des eaux en moyenne mondiale. Il faudrait que je remette ça à jour, peut-être. Il y a des phénomènes de salinisation. Donc là, par exemple, on a une terre qui, quelques années auparavant, était fertile. C'est au Bangladesh. Mais parce que la nappe phréatique, parce que l'eau est montée de peut-être 1 ou 2 mm de trop, ça a salinisé la nappe phréatique qui est en dessous et c'est fini. Game over. Ici, nous avons également des phénomènes d'assèchement à pas mal d'endroits dans le monde. Donc, vous voyez qu'il y a une similitude entre ce sol du Bangladesh et celui-ci. Qui sait où c'est ça ? Où et quand ? Oui ? Non ? Bon, moi, je n'aurais pas su. Hein. Si je n'avais pas lu la légende, je ne l'aurais pas su. C'est quand même pas si évident que ça. C'est le Rhin, en juillet 2018. Donc évidemment, ce n'est pas tout le Rhin, et c'est pendant seulement quelques jours. Mais personne n'avait imaginé, il y a encore 10 ans, chez les climatologues, que le Rhin, le premier fleuve commercial d'Europe, pouvait même simplement sur quelques kilomètres se retrouver dans cet état-là en 2018.
Ça va beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et puis, nous avons également des zones mortes, des zones donc hypoxiques ou anoxiques, c'est-à-dire avec peu ou pas d'oxygène, où aucune vie n'est possible. Ce n'est pas nouveau comme phénomène, mais ça se multiplie à une vitesse alarmante, fois 4 minimum depuis les années 50. Ensuite, nous avons la cryosphère. Alors, pour les puristes, la cryosphère fait partie de l'hydrosphère. C'est juste que c'est de l'hydrosphère solide, mais je trouvais ça plus clair de les séparer. L'hydrosphère, c'est toutes les glaces au niveau mondial, les glaciers, les inland seas, les banquises, le pergélisol dans les hautes latitudes. Et ben, ça fond. En septembre 2019, ce rapport du GIEC, spécifiquement sur la cryosphère et l'océan, nous a averti qu'il y avait des accélérations, encore là aussi, qu'on n'avait pas vu venir il y a seulement quelques années. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience de physique. Elle est relativement simple. Vous prenez un bécher, vous mettez des morceaux de glace. En dessous, là, on ne le voit pas, il y a un bec benzène. Personne ne touche au bec benzène, la flamme reste la même pendant toute l'expérience. On a une sonde ici, qui est un thermomètre. Et ici, on a en temps réel, voilà, en temps réel, l'évolution de température. Donc, ça reste globalement autour de zéro, ça monte, ça descend, parce que ça dépend si la sonde est toujours en contact avec un morceau de glace ou pas. Toujours est-il que, voilà, tant qu'il y a de la glace, la température, elle fait à peu près ça, tant qu'il y a de la glace. Et regardez bien le moment où il n'y a plus de glace. Hop, il n'y a plus de glace. Voilà ce qui se passe à ce moment-là. Donc, tant qu'il y a de la glace, c'est la glace qui absorbe le surplus d'énergie. Dès qu'il n'y en a plus, ben, ça monte. Ça va s'arrêter où, selon vous? Bon, voilà. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que la planète va bouillir. Je suis en train de vous dire qu'il faut comprendre qu'il y a un caractère non linéaire de certains systèmes complexes. Non linéaire, ça veut dire que en entrée, on a une perturbation. Ah, ça a disparu. Une perturbation linéaire, en l'occurrence la flamme, le bec benzène et la température, qui elle est constante au cours du temps. Mais derrière, en sortie, on a d'un seul coup des seuils, des effets de seuil, au-delà desquels on a des accélérations. C'est ce qui se passe là, une expérience simple, et c'est ce qui se passe à n'importe quel endroit sur Terre, si dans une région, hein, ça ne se joue pas dans un verre d'eau, ça se joue à l'échelle d'une région, si dans une région, à un moment, il n'y a plus de glace parce qu'elle a fini de fondre, à cet endroit-là, l'eau augmente beaucoup plus vite, alors que pourtant, à l'extérieur, la température de l'air, elle est la même. D'accord ? Donc il y a des accélérations qui se cachent un petit peu partout dans le système. La quatrième dimension du système Terre, c'est l'atmosphère. Alors ça date d'il y a quelques années, mais j'aime bien, alors je l'ai gardé. C'est une reconstitution des courbes sur 800 000 ans à peu près, notamment reconstituée grâce au carottage qu'on fait en Antarctique, reconstitution des courbes de concentration atmosphérique en CO2 d'une part et de température d'autre part. Et on voit que ces deux courbes sont très proches, en fait elles s'entraînent l'une l'autre. Et quand il y en a une qui change, elle entraîne l'autre et l'autre entraîne l'une. Et ça fait qu'on a des basculements du système en haut, en bas. On voit que sur les 800 000 dernières années, on a des phases où c'est tout en bas, c'est ce qu'on appelle des aires glaciaires, et des phases où c'est en haut, ce qu'on appelle des périodes interglaciaires. Et voilà ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc certains vous disent, c'est un cycle. Oui, c'est un cycle, oui. Aujourd'hui, on a dépassé les 420 et on va tout droit vers les 500 parties par million de concentration atmosphérique en CO2. Voilà ce qu'on est en train d'infliger à la machine climatique. Et honnêtement, personne ne sait vraiment ce qui va se passer. On peut le dire à court ou moyen terme, mais dans 1000 ans, dans 2000 ans, ce n'est quand même pas si évident. Il y a une certitude. C'est que du point de vue climatique, du point de vue thermodynamique, ce qu'on inflige au système climatique, c'est une violence inouïe. Et que la régulation du système sera d'une violence inouïe. Ça, on en est sûr. D'après le dernier rapport du GIEC, la concentration est la plus haute en CO2, plus haute depuis au moins 2 millions d'années. Dernier rapport du GIEC, là, qui est apparu cet été. Si on regarde comment évolue la température depuis 1850, bon, on va voir se dégager une légère tendance. Et surtout, on va voir que ça s'accélère. Alors, vous pourriez vous poser cette question. Pourquoi diable? Et je vous pose une question en retour. Est-ce que les gens autour de vous ont fondamentalement changé leur façon de vivre
depuis 20 ans ou 30 ans. Ah, c'est sûr, il y a des choses nouvelles, hein, les smartphones. Les... D'accord, on n'avait pas TikTok. Mais fondamentalement. Non. J'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut pas s'abriter derrière le fait que oh, mais moi, je ne mange que de la viande bio, alors ça va. La viande bio, c'est vachement mieux pour la santé, c'est mieux pour l'environnement à plein d'égards, c'est aussi certainement mieux pour les animaux. Mais pour le climat, non, ça ne change pas grand-chose. Donc il y a à peu près les coûts en termes climatiques de la viande produite dans les meilleures conditions possibles, même le petit éleveur, hein, et le coût de la viande industrielle. En fait, je vais même vous dire un truc, il y a de grandes chances pour que par kilo de bœuf, de viande rouge en tout cas, par kilo de viande rouge consommée, il soit de plus en plus avantageux d'aller vers le pire du pire industriel que vers le petit élevage bien, tout bien, parce qu'ils sont en train de faire des gros efforts dans l'industrie pour changer ce qu'on donne à bouffer aux vaches, pour... maintenant, ils vont leur mettre aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, ils vont leur mettre des masques qui absorbent une partie du CO2 qu'elles éructent, du méthane, pardon, qu'elles éructent. Bon, bref, donc, très très vite, ça va être plus avantageux du point de vue purement climatique d'aller vers la viande industrielle que le contraire. Franchement, il n'y a qu'une seule solution, là. C'est juste d'en manger moins et beaucoup moins. Alors, je ne suis pas ici pour faire un... Comment dire, je ne suis pas un militant vegan, voilà, ce n'est pas le but de mon discours, mais il va falloir également se remettre en question sur ce plan-là. Ne pensez pas que c'est rien du tout, quelques degrés. Que plus de 2 degrés, c'est rien. Ça, c'est moins 5 degrés. Ça, 5 degrés de moins par rapport au milieu du XXe siècle, c'est ça. C'était lors de la dernière ère glaciaire, donc là, c'était il y a 22 000 ans, je crois, je ne sais plus où c'est écrit. Il me semble que c'était il y a 22 000 ans. Bref, il y a 22 000 ans, l'Europe était couverte dans sa moitié nord d'une calotte glaciaire d'environ 3 à 4 km d'épaisseur. Le reste, c'est de la steppe aride et de la toundra. Ça, c'est l'équivalent de 5 degrés Celsius de moins en température de surface moyenne planétaire. Par contre, la différence qu'il y a eu entre ça et notre zone de stabilité climatique dans laquelle nous sommes nés, la différence, elle s'est faite, l'évolution, elle s'est faite en 2500, 3000 ans. Et en 2500, 3000 ans, sans 8 milliards d'êtres humains sur Terre, sans toutes les infrastructures et les sociétés humaines, la faune et la flore peuvent s'adapter. La même chose, en l'occurrence un petit peu moins, mais plus 2%, plus 2 degrés, plus 3 degrés éventuellement, peut-être un peu plus, en l'espace de 200 ans, la flore ne s'adapte pas, la faune ne s'adapte pas. Et donc, les Anglais ont tort. Je fais référence à ce qui était dit tout à l'heure sur le fait qu'il y a des Anglais qui disent que, enfin, qui pensent apparemment que ça va être bien pour eux, le réchauffement climatique. Peut-être avez-vous déjà entendu parler qu'à Madrid, à Poitiers, en 2050, il fera le climat qu'il fait actuellement à Madrid. Voilà, on entend qu'il fera le climat de Séville à Bordeaux, le climat de Bilbao à Paris. Bon, ben, c'est faux, faux et refaux. Si vous le disiez, ne le dites plus. Si vous l'entendez dire, réagissez. C'est faux. La température annuelle moyenne à Poitiers en 2050 sera sensiblement égale à la température annuelle moyenne de Madrid actuellement. Mais le climat, ce n'est pas une température annuelle moyenne. Le climat, c'est bien d'autres choses que ça. Une augmentation de plus de 2 degrés en quelques décennies, c'est quoi? C'est une faune et une flore qui ne s'adaptent pas. Ce sont des disruptions écologiques majeures. C'est, pour des villes comme la vôtre, c'est en 2050, plusieurs jours par an, statistiquement, plusieurs jours par an à plus de 50 degrés Celsius. Et ça, les arbres n'y résistent pas. Ça, les récoltes, la plupart des récoltes n'y résistent pas. C'est pas... Oh, super, on aura des cocotiers. Non, c'est pas vrai. Déjà aujourd'hui, des choses incroyables, ça c'était il y a un an environ, mais je l'ai gardé. C'était à Denver dans le Colorado, où un jour il a fait 38 degrés, puis 35 le lendemain, et le surlendemain, moins 2, puis moins 7, et après c'est remonté jusqu'à 30. Ça là, bon, c'est aux États-Unis, une fois de plus, ils ont de l'argent. Ça, je ne sais pas s'il y a eu des morts, j'imagine qu'il y a quand même eu des gens qui ont du mal le vivre. Et puis ça a posé plein de problèmes. Mais ce n'est pas grave, on a de l'argent, on les résout les problèmes. Mais les arbres et les fleurs, et les plantes, ils n'ont pas du tout aimé. Les oiseaux, le sol, pas du tout aimé. Et puis, sur le plan de l'atmosphère, il y a également la pollution. Il ne faut pas non plus sous-estimer ça. Nous avons aujourd'hui un problème de pollution de l'air qui est terrible. C'est presque 9 millions de morts par an, selon l'OMS.
À titre de comparaison, le sida, c'est 1 million de morts en moyenne. Le paludisme, c'est 600 000. Donc, c'est 15 fois plus aujourd'hui de morts que le paludisme, la pollution atmosphérique. Cinquième partie du système Terre, c'est la biosphère. La biosphère qui est l'ensemble du vivant. Bon, alors là, ceux qui disent que le mot effondrement est un mot qui fait peur et qui n'est pas... c'est juste... c'est excessif comme mot. Ça dépend de quoi on parle. Hein. Parce qu'en matière de vivant sur la planète Terre, c'est un effondrement. Un véritable effondrement. La plus grande étude qui a été menée sur le plus grand nombre de populations d'espèces, en l'occurrence, c'est sur des vertébrés, c'est une étude qui a été menée depuis 1970. On a suivi près de 21 000 populations de vertébrés sur les 5 continents. Et on remarque quoi ? Que le taux, enfin, que la moyenne des taux de déclin des différentes populations des vertébrés est de 68% sur Terre. Voilà. Donc, à partir de là, si vous voulez, déjà, on comprend qu'il y a un grave problème. En 46 ans. Il faut savoir à côté de ça qu'en France, un tiers des oiseaux de campagne a disparu en 15 ans, que nous avons également un taux de disparition des insectes qui est évalué, qui peut être jusqu'à 8 fois celui des vertébrés. On a un vrai problème. Mais je vais en reparler vers la fin. Aujourd'hui, on évalue différents chercheurs. En l'occurrence, là, on a du Vaclav-Smil, je pense, et je ne sais pas qui, voilà, Baron et al. Vaclav-Smil, c'était un autre. Nous avons aujourd'hui tellement éradiqué le monde sauvage qu'on évalue que si on regarde les mammifères sur Terre, eh bien, il en reste 4% sauvages. Sinon, 34% c'est les hommes et 62% sont les animaux d'élevage. Si on regarde au niveau planétaire, c'est-à-dire... Ah non, pardon, excusez-moi. Si on regarde au niveau juste sur les... c'est ici. Juste sur les mammifères terrestres, on élimine les océans. Alors, c'est même encore pire, puisqu'il n'y a plus que 2% des mammifères qui sont sauvages. Le reste, c'est les hommes et ces animaux d'élevage. C'est l'homme et ces animaux d'élevage. Quels sont les impacts majeurs qui jouent sur la biodiversité ? Eh bien, dans l'ordre, ce sont d'abord les changements dans l'affectation des sols et des eaux. Deuxièmement, c'est la surexploitation directe, pêche, chasse. Et donc là, ici, ces deux facteurs sont liés au nombre. Parce qu'il y a, sur la question démographique, il y a un grand débat. Certains disent on est trop nombreux sur Terre, et d'autres disent mais non, ça n'a rien à voir avec le nombre, ça a juste un rapport avec le mode de vie ou le niveau de vie. Sur la question des gaz à effet de serre, c'est assez clair, oui. C'est quand même très, très, très corrélé au niveau de vie. Donc, c'est les plus riches qui polluent le plus, enfin, qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Pas de souci pour ça. Mais il n'y a pas que les gaz à effet de serre. Il y a d'autres problèmes. Sur la dimension de la biodiversité, il y a un lien direct entre le nombre de personnes et la dégradation des espèces. Troisième facteur, c'est les espèces invasives. Là, le nombre d'humains joue moins, quasiment pas. La pollution, bah si, alors là, le nombre d'humains joue très, très, très fort sur la pollution. Et puis, le dérèglement climatique. Enfin, pour dire que les dérèglements que l'on inflige à la vie sur Terre ne sont pas des dérèglements qui vont pouvoir le vivant terrestre ne pourra pas retomber sur ses pattes miraculeusement à la fin de ce siècle. Voilà. Pour retrouver un niveau de variété, de diversité aussi fort qu'on l'a aujourd'hui, c'est des millions d'années qu'il va falloir. Donc déjà, quoi qu'on fasse. Enfin, la dernière partie du système Terre, c'est la pédosphère, c'est l'ensemble des sols. Et les experts des sols nous disent que 75% des sols de la planète sont dans un état de dégradation avancé en raison des activités humaines, activités minières, urbanisation, artificialisation et agriculture. Beaucoup l'agriculture. Alors tout ça, c'est l'état observé de la planète. Je ne vous ai pas donné, une fois de plus, mon avis, mon interprétation personnelle de quoi que ce soit. Et je ne suis pas allé chercher le pire. Croyez-moi, il y a bien pire. J'ai simplement gardé ce qu'il y avait de plus consensuel. Ce sont des études qui sont respectées, ce sont des études qui sont partagées parmi les experts au niveau mondial, qui sont considérées comme vraiment des choses solides. Pas la peine de faire encore plus dans le spectaculaire pour voir qu'on est déjà dans l'art.
dans l'attente d'un grand changement. Nous avons enfin, à côté de tout ça, l'anthroposphère. C'est la sphère humaine, l'anthroposphère, comme son nom l'indique. Ça va être aussi bien les différents réseaux qu'on peut voir de l'espace pour certains, ça va être les bateaux qui circulent, les avions qui volent, ça va être les grandes constructions existantes ou en cours, ça va être les objets, les produits que l'on fabrique et les déchets que l'on génère, et ça va être nous. C'est tout ça, l'anthroposphère. Bon, certains disent que l'homme appartient à la biosphère, d'autres à l'anthroposphère, il n'y a pas de consensus là-dessus. Ça me paraît plus clair de mettre tout ça sous le chapeau de l'anthroposphère. Bon, ben voilà. En termes d'humanité, juste, ça vous le savez déjà, voilà comment a évolué la population mondiale, depuis 12 000 ans en l'occurrence. Derrière, on a des productions humaines. Tout à l'heure, on l'a vu dans la grande accélération, l'étude que je vous ai montrée. Là, je vous donne une autre courbe, c'est les plastiques, production de plastique au niveau mondial. Ça explose. En fait, l'anthroposphère explose. La conséquence de cette explosion, c'est ça. C'est que la courbe rouge ici, qui est l'empreinte écologique, et pour schématiser, pour simplifier, on va dire que c'est l'impact qu'ont les activités humaines sur la planète. L'empreinte écologique, sa courbe, a dépassé, après, a priori, d'après les travaux du Global Footprint Center, qui sont la référence en la matière depuis le début des années 70, a dépassé la courbe verte, qui est la biocapacité, qui est, là encore pour schématiser, la capacité à encaisser la planète Terre. Donc on lui inflige plus que ce qu'elle est capable d'encaisser. Grosso modo, ça se joue à quel niveau ? Trois niveaux essentiellement. En amont, on prélève plus de ressources que ce qu'elle est capable de renouveler. Au milieu, avec de l'énergie qu'on a fabriquée également avec des ressources. Au milieu, on transforme ces ressources, biens, services, tout un tas d'activités, ce sont les sociétés humaines. Et en aval, on génère des déchets et des pollutions. Et on les génère plus vite que la capacité de la Terre à les absorber. Pour ce qu'elle sait absorber, parce qu'il y a des choses qui s'accumulent et qui ne sont pas réduites. D'ailleurs, c'est les plastiques. Les plastiques, ils sont toujours plus petits, mais ils ne disparaissent pas, ils ne sont pas métabolisés. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça, il y en a peut-être parmi vous qui se renseignent beaucoup sur toutes ces questions depuis longtemps et qui pensent qu'ils n'ont pas appris grand-chose. J'en suis certain, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns. Et qui se disent, bon, ok, d'accord, Keller, là, il ne fait que nous dire des choses qu'on sait déjà, il suffit de se renseigner un peu. Ben moi, je vous dis que quand on s'arrête là, on n'a rien compris. Mais rien. On n'a absolument pas compris la nature de la problématique à laquelle on fait face. Et du coup, on n'a absolument pas compris à la manière dont on peut s'en sortir. Éventuellement. Maintenant, comprendre les implications d'abord de tout ce que je viens de vous dire. On va où ? C'est quoi l'avenir ? Ben moi, je vous dis, et là, je reste dans mon rôle d'expert, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas d'interprétation subjective de ma part quand je vous dis ça, que c'est la conclusion logique de tout ce qui précède de tous mes travaux depuis longtemps et de plein de travaux d'autres personnes, c'est que nous allons vers une descente énergétique et matérielle. La courbe rouge ne restera pas au-dessus de la courbe verte. Elle va repasser en dessous de la courbe verte. Parce qu'on ne peut pas prendre plus que ce que la nature peut renouveler durablement. On ne peut pas détruire plus que la capacité de la nature à se régénérer durablement. On ne peut pas rejeter plus de pollution que sa capacité à l'absorber durablement. La courbe rouge va repasser en dessous de la courbe verte, quoi qu'il advienne. Ce n'est pas une question de volonté citoyenne, politique, ce n'est pas une question de technologie. Elle va repasser en dessous. Une, donc, des implications, c'est que nous allons vers une descente énergétique et matérielle. Nous allons avoir moins d'énergie et moins de matériaux. Quoi qu'on fasse, en moyenne mondiale, parce que pendant un certain temps, il y en a certains qui vont réussir à s'accaparer plus que leur juste part, pendant que d'autres n'auront rien, comme d'habitude, juste encore un peu pire. Mais ça ne durera pas, même pour cela, même pour les pays riches, même pour les très très riches. Ils croient qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu, ils se mettent le doigt dans l'œil parce qu'ils n'ont pas complètement compris la nature de l'exponentielle. Ça va leur arriver dessus plus vite qu'ils ne croient. Nous allons tous avoir,
en tendance lourde, parce qu'il y aura des exceptions, il y aura des hauts, des bas, mais en tendance lourde, globalement, moins d'énergie et de matière pour résoudre de plus en plus de problèmes, parce que tout ça, ça va se faire sur fond de changement de régime climatique. Et donc, on sort de la zone de stabilité. Ça va se faire, donc, du coup, sur fond de disruptions écologiques qui vont être créées par le changement de régime climatique, notamment, avec également derrière des raréfactions, des pénuries. On en voit déjà certaines aujourd'hui. Parmi les pénuries qu'il y a aujourd'hui, elles ne sont pas toutes structurelles. Il y en a certaines qui ne sont que conjoncturelles. Mais il y en a... C'est difficile des fois d'y voir clair, parce que moi, je ne suis pas devin. C'est très compliqué, c'est très complexe. Mais globalement, tout est mélangé. Il y a un peu de conjoncturel, un peu de structurel. Voilà. Mais en tout cas, nous allons vers un monde où nous allons avoir des raréfactions et des pénuries. Et puis derrière, ben, des déstabilisations sociétales, des conflits, des guerres. Et moi, ça, je pense que c'est, quoi que l'on fasse, la réalité de l'humanité dans le courant du XXIe siècle. Bon, en tendance lourde, hein. Je ne vais pas être plus précis que ça, parce que je ne suis pas Nostradamus. C'est bête. Mais préparons-nous à des choses pas drôles, plutôt que de continuer à nous projeter dans l'avenir par prolongation tendancielle, linéaire du passé. D'ailleurs, et je suis bien content parce qu'ici, je vois que je suis dans une université, enfin, je suis sur un campus où vraiment on fait des efforts, et ce n'est pas le cas de là où je vais toujours. Je vois souvent que l'enseignement, ça ne prépare pas les gens au monde, ça ne prépare pas les gens à la réalité des crises. Ça prépare des individus à un marché du travail de surcroît, qui est uniquement la prolongation de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc la disruption est absente. Et on ne se pose pas ces questions-là en général. Alors, le débat aujourd'hui autour de la décroissance, je voudrais juste dire quelque chose à ce sujet. Parce que moi, je ne suis pas un décroissant. Hein. Je ne suis pas ici pour vous faire un speech militant. Je suis un ingénieur. Bon, aujourd'hui, on nous dit, mais ils sont fous les décroissants. Ils sont fous. Ben, ce serait une catastrophe socio-économique terrible si on faisait décroître l'économie. Ah oui? À isosystème, oui, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la décroissance? Est-ce que la décroissance, c'est, comme on l'entend en général, le contraire de la croissance? Ben non, surtout pas. La croissance, c'est la croissance du produit intérieur brut, c'est un indicateur, ça mesure quelque chose. La décroissance, ça ne mesure rien du tout, c'est un projet de société. Le contraire de la croissance, c'est la récession ou alors la dépression. La décroissance, c'est un projet de société qui consiste à dire nous n'avons pas le choix que de décroître au niveau de l'énergie et des ressources, ce qui implique, on va le voir juste après, hélas, qu'on le veuille ou non, vous allez le voir, ce qui implique effectivement une décroissance de la taille globale de l'économie, ça ne veut pas dire que tout doit décroître, certaines choses peuvent croître, mais la voilure globale doit décroître. Soit on le comprend et on l'anticipe, on peut éventuellement un peu le piloter jusqu'à un certain point, et ça donne ça. Soit on veut continuer sur notre trajectoire vers l'infini et au-delà, on nie le fait que l'on doive décroître, et la descente, elle sera plus rapide, elle arrivera un tout petit peu plus tard, mais elle arrivera plus rapide, on partira plus haut, on aura plus détruit entre-temps, nos capacités de rebond seront moindres. Ça s'appelle un effondrement, ou des effondrements. Aujourd'hui, le débat, donc, ce n'est pas est-ce qu'on croit ou on décroît, c'est comment on décroît. Est-ce qu'on est capable d'anticiper pour une fois? Ou est-ce que, comme d'habitude, on va attendre d'être déjà rentré dans le mur pour réagir? Parce qu'on dit souvent c'est au pied du mur. Non, c'est pas au pied du mur, c'est carrément quand on est dedans et qu'on a déjà la boîte crânienne qui commence à se fissurer. C'est à ce moment-là qu'on se dit ah, ça serait peut-être temps d'agir. Donc, la réalité, c'est que nous allons vers une descente énergétique et matérielle, quoi que l'on fasse, et vous allez le voir, j'en suis navré à la rigueur, parce que c'est pas... Cette descente énergétique et matérielle va impliquer des choix au niveau économique, et nécessairement une descente économique aussi. Face à tout ça, quelles sont nos vulnérabilités? Il y en a plein, mais il y en a surtout quatre à mes yeux. La première, c'est celle-ci. Tout dépend de ça. Toutes nos activités dépendent des transports, et tous les transports dépendent du pétrole. Tous, directement ou indirectement. On a 96 à 17% des transports qui dépendent directement du pétrole parce que c'est leur carburant. Pour les autres, c'est juste indirect. Même le train en France, qui est un train électrique, bon, ben, les gens qui vont bosser, la plupart du temps, ils y vont en voiture. Les gens qui maintiennent les voies, il faut du pétrole. Pour fabriquer également les wagons, etc. Et tout ce que l'on mange à l'intérieur, enfin, tout
tout ce qui va autour de prendre le train, ça demande du pétrole. Donc indirectement, voilà, l'avion, le transport, transport par voie maritime, tout ça, c'est du pétrole sous une forme ou une autre. Et quand bien même il n'y aurait pas de problème de quantité de pétrole, qu'il y aurait quand même des problèmes d'approvisionnement, puisque sur les chemins logistiques, sur les voies logistiques, bah, beaucoup de ce pétrole passe par certains points névralgiques, notamment le détroit ici d'Ormuz, ici le détroit de Malacca. Si jamais il y avait des gros problèmes à ces endroits-là, qui sont des problèmes sous haute tension déjà, ben forcément derrière, ça créerait des petits soucis dans nos sociétés à flux tendu. Où on n'a pas de stock parce que ce n'est pas rentable les stocks, etc. Vous avez déjà vu quand le détroit de Suez se bloque, vous avez déjà vu les problèmes que ça peut poser. Bon, alors si c'est le détroit d'Ormuz avec 20% du pétrole mondial qui se bloque, je peux vous dire que les problèmes vont être très 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 rapides pour beaucoup beaucoup de pays. Deuxième type de vulnérabilité, ce sont les réseaux et les infrastructures, que ce soit routiers, que ce soit les réseaux d'eau, de gaz, d'électricité, télécom. Nous sommes dépendants de ces réseaux qui demandent, pour leur maintenance et leur bonne opération, qui demandent tout le temps un apport d'énergie et de matière, en permanence, et beaucoup plus que vous ne le croyez. Parce qu'en général, les élus se désintéressent beaucoup des infrastructures. Les élus, mettre beaucoup d'argent pour maintenir de l'existant qui, de toute façon, est en train de se dégrader, ce n'est pas forcément super sexy, alors que couper le cordon avec le ciseau, c'est beaucoup mieux pour inaugurer quelque chose de neuf. Donc, d'une manière générale, nous avons un désintérêt pour la maintenance des infrastructures. Oui, n'empêche qu'une infrastructure qu'on n'entretient pas, eh bien, elle finit par se dégrader. Aux États-Unis, il a été évalué qu'il faudrait débourser 4 500 milliards de dollars entre 2020 et 2025, pour maintenir les infrastructures défaillantes du pays. Donc derrière, on a un Joe Biden qui est arrivé avec un grand plan où il a annoncé qu'il y aurait 2 300 milliards de dollars pour les infrastructures, ce qui est absolument gigantesque, mais qui n'est que la moitié de ce que demandaient les experts. Et on a dit, mais il est fou, c'est beaucoup trop. Et aujourd'hui, on est, je crois, autour de 900 milliards. Donc un cinquième de ce qu'il faudrait, a priori. Donc on va bien voir comment ils se débrouillent. En France, ben, on a aussi des problèmes, ça dépend des régions, ça dépend des endroits, c'est très disparate. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a certains États où on enlève les routes. On n'a plus assez d'argent pour les maintenir, on décide donc de faire passer la pelleteuse et de repartir sur de la piste. Et puis, les infrastructures, c'est aussi ça. C'est de nouvelles vulnérabilités face à des rançons logicielles, des attaques, des cyberattaques. C'est également, alors, donc, que ce soit les infrastructures pétrolières, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a un peu plus de 6 mois aux États-Unis, ils ont beaucoup, beaucoup transpiré lorsqu'on a attaqué leur infrastructure pétrolière. Nous avons des infrastructures électriques qui ont été également attaquées par des hackers, ils ont frappé en Ukraine, ils ont aussi pénétré dans le réseau, dans les systèmes de contrôle-commande du réseau électrique américain. Il n'y a pas eu de problème dans le sens où ils ont détecté qu'il y avait des malwares, qu'il y avait qu'il y a des programmes en tout cas qui avaient infecté leur système. Ils n'ont pas détecté l'intrusion. Ils ont détecté qu'il y avait eu intrusion à un moment, ils ne savent même pas quand. Alors évidemment, ils ont pris des mesures, je ne peux pas vous donner plus de détails que ça. Mais en tout cas, il était possible, à distance, pour quelqu'un, on ne sait pas qui, de prendre le contrôle du système électrique américain. Et enfin, moi qui ai un petit peu travaillé avec des experts de la résilience des infrastructures, je peux vous dire une chose, ce qui a été mis en avant dans un colloque qui a maintenant bientôt 5 ans, lorsque l'on demande à des experts de la résilience des infrastructures de parler de leur métier, voilà ce qui en ressort. Tous les secteurs disposent de plans d'urgence. Un défaut crucial est que les plans ont tendance à supposer que les autres infrastructures fonctionnent toujours. Les téléphones marchent, Internet est accessible, les transports fonctionnent. La réalité est que toutes ces infrastructures sont interconnectées, interreliées, interdépendantes. Planifier la restauration du système dans un cas où des infrastructures clés seraient simultanément endommagées est beaucoup plus difficile et a à peine fait l'objet d'études. C'était il y a 4 ans. Donc, grosso modo, si vous avez un blackout électrique, comme ça s'est produit et comme ça peut se produire, bon, ben, on sait remettre en route le système électrique. Ce n'est pas facile, parce qu'il faut rééquilibrer le réseau, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est quelque chose qu'on sait faire. Mais on sait le faire si la société est stable, si l'économie fonctionne bien,
Si donc on peut appeler, parce que les téléphones fonctionnent, on peut appeler la bonne entreprise et le bon expert qui va pouvoir trouver le bon équipement et se rendre facilement d'un point A à un point B sans problème, parce qu'il est payé pour le faire, parce qu'il peut bouffer pour le faire, parce que sa famille n'est pas en danger et que tout va bien par ailleurs, quand tout va bien par ailleurs, ça va, on sait faire. Et quand ça commence à déconner à deux niveaux différents, ça devient exponentiellement plus difficile. À trois niveaux différents, on ne sait même pas faire, c'est même pas conceptualisé à ce stade. Pas de systémique. Troisième dépendance, troisième vulnérabilité, celle-ci. On adore ça, les technologies, et c'est super jusqu'au jour où ça ne marche plus. Et il y a toujours un jour où ça ne marche pas. Et puis, là encore, on tend pour se faire battre, on tend la joue, on a des cyberattaques, comme la plus grosse de l'histoire qui a touché cette année aussi les États-Unis. On a des hôpitaux qui se font attaquer en pleine crise Covid. On a, ça c'est encore autre chose, des pénuries. Alors, je ne sais pas si des gens l'ont vécu parmi vous, mais en 2011, il y a eu une pénurie mondiale de disques durs juste parce qu'il y avait eu des grosses inondations en Thaïlande. Moi, je l'ai vécu, je voulais précisément m'acheter un disque dur à cette époque-là. Et le disque dur que je voulais m'acheter, qui devait valoir à peu près 80 euros, il valait 400 d'un seul coup. Donc, je ne l'ai pas acheté. Et puis enfin, la quatrième vulnérabilité, c'est que tout ce que l'on fait, enfin, nous sommes tous dépendants, qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous dépendants d'un système financier qui est court-termiste, qui se fout de l'intérêt général et qui n'a que deux modes de fonctionnement, qui sont l'euphorie et la panique. Tout dépend de ça. À moins que vous viviez en marge de la société, que vous n'ayez pas de compte en banque, et ben, même si vous choisissez bien votre banque, parce qu'il y en a qui sont mieux que d'autres, mais même la meilleure des banques participe à ce système d'une manière ou d'une autre. Bref, on est dans la tente d'une réaction. Et ça tombe bien parce que le poète nous l'explique, il nous dit, là où croit le danger, le péril, croit aussi ce qui sauve. Et oui, l'humain est formidable. L'humain est génial, l'humain s'en est toujours tiré, et il va s'en tirer, c'est évident. Alors maintenant, je vous invite à essayer de comprendre l'inadéquation des réponses dont on dispose face à tout ce que je viens de vous dire. On nous parle de ça. 1987, rapport Brundtland, le début du développement durable. C'est la solution, puisque c'est durable. Ça veut dire quoi, durable? Je pose la question. Qui dure, j'ai entendu. Ouais, qui dure? Qui peut durer? Mais si je vous dis qu'en fait, le concept de durabilité, au-delà de ce que le commun des mortels dit naïvement au quotidien, le concept de durabilité, c'est un concept en économie et qu'il y a deux durabilités, ce qu'on appelle la durabilité faible et ce qu'on appelle la durabilité forte. Et vous allez, si vous ne les avez pas déjà, vous allez regarder sur Internet et vous verrez que je n'invente strictement rien. Alors, parlons de la durabilité faible. La durabilité faible, c'est la durabilité qui est compatible avec les hypothèses de la théorie néoclassique en économie et notamment la substituabilité des capitaux. Ça va, tout le monde a suivi? Je vais vous expliquer. Nous avons aujourd'hui un modèle, enfin, l'école de pensée dominante en économie, quand je dis dominante, c'est très 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 dominante, en fait présente absolument partout, dans tous les ministères, dans toutes les institutions, FMI, Banque mondiale, à Bruxelles, à Washington, et dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Les modèles économiques qui sont utilisés sont dits néoclassiques. Il y a quelques variations dans les façons de réfléchir des uns et des autres, mais il y a quand même une grande convergence, et surtout les mêmes hypothèses qui sont à la base des mêmes relations qui sont établies entre certaines variables d'état du système. Voilà, donc les relations entre, par exemple, l'inflation, le taux de chômage, le taux de croissance, etc. Tout ça, c'est régi par des équations. Ces équations-là, elles se basent sur des hypothèses de l'école classique qui ensuite sont allées jusqu'à l'école néoclassique. L'école classique, elle date des débuts du 19e siècle, pardon. Et un de ses pères, c'est un bon français, Jean-Baptiste Say, S-A-Y. Fun fact, le frère de celui qui a monté la compagnie des sucres, qui s'appelle aujourd'hui Béguinset. Je referme cette parenthèse essentielle. Jean-Baptiste Say a écrit dans son cours d'économie politique pratique de 1828 la phrase suivante : « Les ressources naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. » Ça va ? Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. Et ça, cette absurdité terrible, est encore aujourd'hui présente dans tous les modèles mathématiques qui sont au cœur des modèles économiques qu'utilisent tous nos dirigeants. Dans ces modèles-là, les ressources naturelles ne sont pas intégrées, des fois à la marge, mais vraiment à la marge.
dans certains cas rares. De manière générale, elles ne sont pas intégrées. Et donc, elles sont inépuisables, infinies. Ah ben oui, alors parler d'une infinitude quelconque, notamment de pouvoir croître, faire croître infiniment les flux de matière et d'énergie dans un monde dont les ressources sont infinies, ce n'est pas un problème. Vous comprenez bien que ce n'est pas un problème. Il y a une autre hypothèse qui est la substituabilité des capitaux. Et donc c'est ça, la définition de la durabilité dans son acception faible, durabilité faible, c'est substituabilité des capitaux. Ça veut dire quoi ? Les capitaux sont substituables, interchangeables entre eux. À la base, dans les modèles classiques, il n'y avait que deux types de capitaux, le capital humain et le capital productif. Les hommes d'un côté, les machines, les usines de l'autre. Ils sont interchangeables. C'était une hypothèse. Il y a moins d'hommes, on les remplace par des machines. Il y a moins de machines, on met des hommes qui font pareil. Bon, un peu con. Mais à la rigueur, pourquoi pas ? Sauf qu'aujourd'hui, ces modèles-là sont appliqués au monde réel. Et le monde réel, eh bien, il a des ressources naturelles, et ces ressources sont limitées. Alors, si on intègre le capital naturel, ce que l'on fait, hein, maintenant, dans ces modèles, ça veut dire quoi ? Ça, c'est le développement durable. Le développement durable a dit, attention, il y a des limites. Il y a des limites avec les ressources naturelles. Alors, il faut les rentrer dans les modèles. Ah bon, on va essayer de le faire, alors. Mais on n'a pas changé les hypothèses du modèle. Ça donne quoi ? Il n'y a plus d'arbres. C'est pas grave. On va les remplacer par autre chose qui fait pareil. Il n'y a plus d'eau potable. C'est pas grave, on trouvera autre chose qui fait pareil. C'est ça la substituabilité des capitaux. Le capital naturel et le capital artificiel sont interchangeables. Et donc, la durabilité faible, c'est quoi ? C'est quelque chose est durable si on lègue aux générations futures la même quantité de capital minimum, pareil ou plus, au moins autant, que nous, on a, dont on dispose aujourd'hui. Ça, c'est durable. Et oui, mais comme c'est substituable, eh bien, si on prend, par exemple, cas hypothétique qui n'arrivera pas, mais imaginons qu'on coupe tous les arbres de la planète, tous, on les tue tous, si on ne les laisse pas pourrir là, si on en fait quelque chose, on les brûle pour de la chaleur qu'on utilise nous, ou pour faire de l'énergie, ou on fait des bâtiments, ou on construit des choses avec, alors on transfère ce capital naturel dans un capital artificiel, et il n'y a pas perte de capital. C'est durable. Voilà ce que ça veut dire. Et quand vous entendez développement durable, c'est ça. C'est la durabilité faible, c'est-à-dire non durable. Il faut être clair. Non durable. Quand vous entendez parler de croissance verte, c'est pareil. Hein. Ils ont dit vert, mais on aurait pu dire croissance durable. Oui, 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 durabilité faible. Alors à côté de ça, il y a des économistes qui, depuis le début des années 90, ont créé la durabilité forte. Ils ont dit, mais attendez, ça n'est durable que si on ne prélève pas en amont plus vite que la capacité de l'environnement à régénérer, à renouveler, que pour les ressources non renouvelables, on n'épuise pas ces ressources plus vite que notre capacité à trouver des substituts, et que pour les pollutions, qu'on ne les produise pas plus vite que la capacité de la planète à les absorber. Voilà, ce n'est pas parfait, c'est loin d'être complet, mais au moins on va dans la bonne direction côté bon sens. Sauf que c'est compliqué de mettre en place ces modèles-là, c'est très compliqué, ça demanderait énormément de travail, et il n'y a pas beaucoup d'argent pour faire ce travail. Les économistes, ce n'est pas enseigné dans les universités, les économistes qui font ça sont considérés comme hétérodoxes et marginalisés aujourd'hui. L'élément durable, c'est donc de la croissance économique pour investir dans des technologies, parce que c'est la technologie qui va résoudre les problèmes. C'est ça, le paradigme, l'idéologie du développement durable. Et certains nous diront, les moins écolos d'entre nous ou d'entre eux, diront, ah, le développement durable, c'est un truc d'écolo. Pas du tout. Le développement durable, c'est un truc qui a été trouvé par des gens qui n'étaient surtout pas écolos, pour gérer des problèmes écologiques, parce qu'il y a un moment, on ne pouvait plus faire ça, on ne pouvait plus trop fermer les yeux, et surtout pour ne pas laisser les écolos s'en charger. Donc, ça a été quoi, le développement durable ? Trouver une espèce de compromis qui permettait de ne pas véritablement remettre en question le système, juste de l'aménager, de rajouter des choses qui faisaient sens. Et dans le monde, il y a des choses intéressantes, hein, je ne suis pas en train de tout jeter, il y a des choses bien dans les gens qui font du développement durable. Voilà. Mais globalement, ce n'est pas le bon cadre conceptuel pour faire ce qu'il faut, parce que le but ultime du développement durable, c'est de maintenir le système. La technologie là-dedans a-t-elle un rôle à jouer ? Oh oui, bien sûr.
Mais est-elle une solution? C'est un outil. Hein. Alors, il n'est pas neutre comme outil, mais c'est un outil. Ça dépend au service de quoi on le met. Voilà. Est-ce qu'un marteau, c'est utile ou est-ce que c'est pas utile? Ben, pour planter un clou, c'est vachement utile. Pour planter une vis, moins. Pour tuer quelqu'un. Donc, ça dépend comment on l'utilise. La technologie, au service de quel projet de société on le met. Aujourd'hui, ce qui est présenté souvent comme projet de société entre les gens riches, c'est ça, ce genre de vision de l'avenir très futuriste. Alors ça motive. Hein. Ça motive les Musk et les Bill Gates et les machins. Ça, je peux vous dire qu'ils sont prêts à mettre des milliards sur ce type de vision de l'avenir. Ça aussi. Aux États-Unis, il y a un gros lobbying qui est fait à Washington pour nous dire que la solution pour la mobilité de demain, c'est la masse, la mobility as a service, ou transportation as a service, des fois ils disent. Grosso modo, c'est quoi? Ce sont des voitures, évidemment, qui ne polluent pas, des voitures électriques. Alors, parenthèse, on sait très bien que les voitures électriques, il faut la fabriquer. Hein. Donc ça pollue beaucoup pour la fabriquer. Après, effectivement, en usage, elle pollue moins, mais encore tout dépend de quelle énergie électrique elle utilise et comment elle est fabriquée. Donc dire que c'est des véhicules zéro émission, qu'on voit partout, dans toutes les pubs notamment, c'est absolument insupportable. Je referme la parenthèse. On nous dit donc que la solution pour la mobilité, c'est des véhicules électriques autonomes qui vont nous permettre demain, et puis que l'on pourra demander, on pourra les programmer, on pourra dire à travers une application, j'ai besoin d'aller de tel endroit à tel endroit, le véhicule attendra au début, il nous déposera à la fin, tout ça sera optimisé en temps réel, on ne pourra donc tranquillement mener des réunions à bord des véhicules, ce qui fait qu'on sera plus productif, nous pourrons également tranquillement nous détendre et lire à bord, etc., ce qui fait qu'on sera plus productif, tout un tas de choses, et en plus il n'y aura plus d'embouteillage, c'est fini ça, puisque ce sera optimisé en temps réel. Et puis c'est parti, hein. Vas-y, hein. Ça c'est à Pittsburgh, on y va, les premières expérimentations, c'était déjà il y a presque 2 ans ça. Bon, mais que nous dit le patron d'Intel, les gens qui font les microprocesseurs? Ben, il nous dit qu'un véhicule autonome, par jour, c'est 4 teraoctets de données qui circulent sur les réseaux. Alors, moi je suis con, je suis ingénieur. Moi je fais des additions, des multiplications, Alors j'ai regardé. Ces gens-là nous disent qu'en 2030, en tout cas, quand je dis ces gens-là, ce sont les lobbyistes qui sont à l'œuvre actuellement à Washington, ils nous disent qu'en 2030, aux États-Unis, il y aura un minimum de 20 millions de véhicules électriques autonomes. Minimum, aux États-Unis. 20 millions, 4 teraoctets de données par jour et par véhicule, ça fait quoi? Eh bien, pour faire fonctionner, croyez-moi sur parole, pour faire fonctionner ces 20 millions de véhicules, il faudra faire circuler sur les réseaux en permanence l'équivalent de 12 fois la taille totale d'Internet au niveau mondial. Données 2019, parce que ça grossit. Bon, ben non. Hein. Ben non, ça n'arrivera pas. Alors, il y aura quelques riches qui vont bien s'amuser, mais présenter ça comme une solution, niette. Après, on va me répondre, mais si, mais attends, il y a 5G, puis il y aura la 6G peut-être après derrière. Ah oui. Alors, la 5G. Je vais citer Olivier Roussat, le président de Bouygues Télécom, un décroissant bien connu. La 5G permet, lorsqu'on transporte des données, de le faire avec moins d'énergie par unité de données transportées. En revanche, elle augmente considérablement les débits et permet donc un usage beaucoup plus important, donc de transporter davantage de données, ce qui est beaucoup plus consommateur. Il est erroné d'affirmer que la 5G permettra des efforts en matière d'énergie. Après la première année de déploiement, la consommation énergétique de tous les opérateurs affichera une augmentation importante. Voilà. Mais on y est allé quand même comme ça. Même quand les opérateurs eux-mêmes disaient « Oh, calmons-nous, réfléchissons, faisons une étude. » Non, 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 il faut y aller. Celui qui ne veut pas y aller, il se prend ça dans les dents. Et à côté de ça, la même personne va raconter que, champion de la planète, nous faisons tous les efforts possibles et inimaginables pour limiter le problème climatique. Qui a besoin de la 5G? Est-ce que vous avez vraiment besoin de pouvoir regarder sur vos smartphones, quand vous êtes dans le bus, des films en 4K? Franchement, il n'y a presque aucun usage pour lequel on a besoin de la 5G. Les usages pour lesquels on a besoin de débits de données encore plus grands, il y a la fibre pour ça. Nous avons un fétiche sur la technologie. Nous sommes obnubilés par nos capacités géniales de développer des nouvelles technologies. Nous adorons ça. Il y a
je sais pas comment dire, il y a un concept qu'on appelle des fois le marteau de Maslow. C'est le même Maslow que celui qui a créé la pyramide, qui dit la chose suivante: quand votre seul outil est un marteau, tout problème ressemble à un clou. Et ça, c'est ce que l'on fait au niveau planétaire pour tous nos problèmes. On a des problèmes complexes, on a des outils géniaux. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait en sorte... Enfin, est-ce que l'on adapte nos outils aux problèmes? Est-ce que si jamais nos outils ne sont pas exactement les bons, on essaie d'en trouver d'autres? Ben non, quand même. On a tellement investi dans ces outils. Alors, ce que l'on fait, c'est que l'on transforme la conception, la perception qu'on a du problème pour qu'il corresponde à notre outil. Et ça donne ça. De l'énergie en quantité illimitée et peu coûteuse, de quoi susciter de grands espoirs pour l'humanité. On va rentrer maintenant dans ce qu'on appelle le mur de protection biologique, où effectivement la réaction se passera. Pas de consommation d'énergie fossile, pas de rejet de déchets radioactifs, et moins de risques d'explosion ou d'emballement. Car en cas de problème, le réacteur s'arrête instantanément. Il nous faut trouver une option alternative à une production massive, continue, contrôlée, sûre, sans impact sur le climat et l'environnement. Et la fusion d'hydrogène est une de ces belles options qui, en complément des énergies renouvelables, non pas en compétition avec elles, en complément, permettront d'assurer pour des millions d'années une production d'énergie pour l'ensemble de l'humanité. Si le calendrier est tenu, le réacteur devrait commencer à fonctionner en 2025 et atteindre sa pleine puissance en 2035. Mais pour que la fusion produise un jour de l'électricité, il faudra encore patienter, car le projet ITER n'est qu'un prototype, un laboratoire qui permettra dans la deuxième moitié du siècle, pour les plus optimistes, de construire enfin des centrales à fusion nucléaire. Bon, donc ce monsieur Bernard Bigot, qui est loin d'être un imbécile, hein, qui est le directeur du programme ITER, nous informe qu'on va pouvoir créer avec des infrastructures qui ont une durée de vie de l'ordre de 50 ans, qu'on va pouvoir créer de l'énergie pour des millions d'années. Maintenant, à côté de ça, nous avons Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron qui nous explique que ITER, c'est déjà un grand progrès pour l'humanité, c'est formidable. Et pour schématiser, qui explique à la fin que si l'expérience est réussie, cela permettra de résoudre la crise climatique, de répondre à tous les besoins du globe, c'est ce qu'il dit, c'est vraiment une citation, et de préserver les ressources naturelles. ITER, c'est une promesse de progrès, de confiance dans la science, et c'est d'ores et déjà une prouesse scientifique et technologique. Imaginez que l'expérience soit concluante, qu'elle puisse trouver demain des applications industrielles. Nous aurons mis au point là une énergie non polluante, décarbonée, sûre et pratiquement sans déchets, qui permettra tout à la fois de répondre aux besoins de toutes les zones du globe, de relever le défi climatique et de préserver les ressources naturelles. Est-ce que, effectivement, si la fusion à froid était développée, est-ce que ça permettrait de soulager le climat? Oui, c'est vrai, oui, il faut le dire. Ce serait une très bonne nouvelle. Est-ce que ça résoudrait la crise climatique? Non, du tout, non. Ça améliorerait, parce que ça permettrait, sur la partie électrifiable des activités humaines, d'être peu ou presque pas émissif. Donc ce serait bon à prendre, mais ça ne serait pas toute la solution. Est-ce que ça permettrait de répondre à tous les besoins du globe? Bah, je ne sais pas, il faut voir. Il faut voir, parce que quel besoin? Bon. Mais puis surtout, il dit, est-ce que ça permettrait de préserver les ressources naturelles? Alors là, non. Ah ben, en aucun cas. Au contraire, ma bonne dame. Et c'est maintenant que peut-être vous allez comprendre bien toute la systémique de tout ce bordel. Mince. On risque pas de trouver des bonnes solutions si on s'attaque pas aux bons problèmes. Et moi, je vous dis que le changement climatique n'est pas un mal en soi, au sens maladie, mais que c'est un symptôme. Suivez-moi. Vous avez mal à la tête, imaginons. Puis vous avez des démangeaisons. Et puis vous avez des problèmes de ventre. Différents problèmes. Très bien, on les traite un par un. Pour le problème du mal de crâne, paracétamol. Pour le problème de peau, pommade. Pour le problème d'estomac, tisane. Et hop, c'est fait,
c'est résolu. Et ouais, mais imaginez que tous ces problèmes soient simplement différents symptômes d'un même mal. Imaginez, pour aller au bout dans le fun, jusqu'au bout du fun, imaginez vous avez un cancer généralisé. Et imaginez que tout ça, ce ne sont que des symptômes de ce cancer généralisé. Allez-y. Allez-y, bouffez un kilo de paracétamol par jour. Vous pouvez traiter les différents symptômes, mais le cancer est toujours là. Ça, c'est fondamental. Et ça, je pense pouvoir vous affirmer que vous ne l'avez pas entendu avant aujourd'hui. C'est bien là qu'il faut faire attention. Traiter les différents problèmes comme des problèmes de fond et les traiter comme des symptômes est fondamentalement différent. Ce n'est pas par une addition de toutes les solutions aux symptômes, aux tous les traitements des symptômes, qu'on arrivera à résoudre le cancer. La pommade, vous en mettez un peu, vous pouvez continuer à vivre normalement. Paracétamol, c'est pareil, ça ne change pas votre vie. Pareil pour la tisane. Mais si vous prenez conscience qu'il y a un cancer généralisé, alors qu'est-ce qui se passe? Toute votre vie est remise en question. Vous comprenez à ce moment-là la nécessité de faire quelque chose de très très lourd. Par exemple, une chimio. Et une chimio, c'est pas bon, on fait ça de temps en temps et puis le reste de la vie continue normalement. Non, non. Une chimio, c'est la vie entière qui change. Ben là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Traiter le dérèglement climatique comme un problème et le traiter comme un symptôme, ce n'est pas la même chose. Et moi, je vous dis que c'est un symptôme. Je vais vous le dire juste après un peu mieux encore. Donc, est-ce qu'il ne faut pas traiter les symptômes? Est-ce que j'ai dit, ça, c'est, ben, du coup, ça n'a pas d'intérêt. Je n'ai jamais dit ça. Le dérèglement climatique est un symptôme qui, si ça continue, va nous tuer. Il faut le traiter. C'est impératif. Décarboner la civilisation, rendre plus sobres nos modes de vie. Tout ça, bien sûr. Est-ce qu'il ne faut pas traiter la biodiversité? Ben, si, bien sûr, le problème de biodiversité. Est-ce qu'il ne faut pas traiter tel et tel autre problème? Mais bien sûr que si, il faut. C'est vital et dérisoire. Oui, vous comprenez? On a des problèmes dans la lithosphère, dans ce qu'on tire, dans ce qu'on extrait de la Terre. Il y a plein de gens pour s'en occuper. Il y a plein de gens qui s'occupent des problèmes de pétrole, ou en tout cas qui travaillent dessus. Il y a plein de gens qui s'occupent des problèmes d'énergie qui sont liés à ça. Il y a plein de gens qui s'occupent des problèmes de matières premières. Ensuite, il y a l'hydrosphère qui est dans un sale état. Heureusement qu'il y a des gens pour s'en occuper des problèmes de pollution, des problèmes d'accès à l'eau. Heureusement qu'il y a des gens pour s'occuper de tout ce qu'ils font. Heureusement qu'il y a des gens pour s'occuper du dérèglement climatique. Heureusement qu'il y a des gens pour s'occuper des problèmes de vie, pour sauver, ou en tout cas pour protéger, préserver autant que possible les forêts, les mangroves, les tourbières, les corails, les barrières de corail. Il y a des gens également qui travaillent dans la pédosphère, tout ce qui est la nourriture, l'alimentation humaine. Il y a des gens ensuite qui travaillent pour tous les problèmes de l'anthroposphère, tous. Il y en a plein des problèmes de l'anthroposphère. Il y en a beaucoup, très importants, que ce soit la maladie, que ce soit la guerre, que ce soit les problèmes de droits de l'homme, que ce soit les problèmes sociaux, les problèmes... Tout ça. Il en faut des gens qui travaillent dans tous ces domaines. Merci de le faire, c'est vital. Et dérisoire. Quand bien même nous arriverions à résoudre tous ces problèmes, qu'on serait quand même dans la... Merci. On s'enferme l'esprit dans une prison. La nature du problème, c'est la suivante. C'est que notre société, notre civilisation, on pourrait dire, est une machine qui fabrique la nature en déchets. Voilà. On prélève, on transforme, et derrière, on rejette. Oui, mais l'économie circulaire. Oui, l'économie circulaire, bien sûr, c'est très bien. Et on peut circulariser, reboucler certains flux. Certains. Mais on ne circularise pas, on ne cyclise pas, cyclicise, je ne sais pas comment on dit, on ne rend pas cyclique une civilisation. C'est pas vrai. Pas plus qu'on ne rend cyclique un organisme vivant. Anthony, s'il vous plaît, circularisez-vous. Ben vous débrouillez, je ne sais pas. Ouais. Non, ça ne va pas marcher, d'accord? La seule manière d'y parvenir, c'est de réduire les flux d'énergie et de matière, d'organiser la descente énergétique et matérielle, ce qui signifie une descente économique. À isosystème, c'est une catastrophe socio-économique, donc il faut changer le système.
Il faut un projet de changement systémique pour que cette descente énergétique et matérielle puisse s'organiser d'une façon qui n'est pas catastrophique. Et c'est possible. Et impossible. C'est possible parce que techniquement, c'est possible. Impossible parce que les verrouillages du système sont partout. Partout. En chacun d'entre nous, en réalité. Et puis au niveau politique, et puis au niveau des ce qu'on appelle les verrouillages socio-techniques, les habitudes, la façon dont les gens fonctionnent, au niveau économique, bien sûr, parce qu'on ne peut pas non plus arrêter, parce qu'on l'aurait décidé comme ça, arrêter tout un secteur d'activité et créer des millions de chômeurs. Dans notre système à nous, ça ne fait pas sens. Donc pour préserver notre système à nous, parce que sinon ça ne ferait pas sens, eh bien on est en train de finir de détruire les systèmes de support de vie de la planète. Et donc, de toute façon, de totalement fermer les horizons possibles pour notre système aussi. Donc, pour sauver un système, on tue le support de ce système, de toute façon. Ridicule. Ridicule, mais pas facile à changer. Ce que je disais tout à l'heure sur l'énergie, sur ITER, si on avait de l'énergie décarbonée, est-ce que ça préservait les ressources naturelles? Non. Ce serait de l'énergie, oui, certes, décarbonée, mais au service de ça. Au service d'un flux qui transforme la nature en déchets. Point. Donc tant qu'on ne change pas ce que c'est que faire société, la finalité de faire société, la technologie là-dedans, c'est pas une solution. Ça sert à rien, même en réalité, si ce n'est à accélérer peut-être encore le processus. Voilà, donc on pourrait dire que le système économique, il est à l'intérieur de l'anthroposphère, qui elle-même est à l'intérieur du système Terre. Voilà, système Terre, il y a des radiations qui rentrent, des radiations qui repartent. Et puis, si on a des ressources naturelles, en entrée, on utilise ces ressources pour faire de l'énergie et des matières premières et des matières qui rentrent dans un système économique. Et puis, en sortie, on a de l'énergie dégradée. Hop, ça, c'est réchauffement climatique. On a des matières dégradées. Ah, ça, c'est de la pollution. Un certain rebouclage et des matériaux recyclés. Et voilà, l'économie au sein de l'anthroposphère, au sein du système Terre. Aujourd'hui, on parle de développement durable. Développement durable, c'est ça. La durabilité telle qu'elle est définie dans le développement durable, c'est au croisement de l'économie, de l'environnement et du social. Alors, économie en bleu, environnement en vert, social en rouge. En réalité, ça devrait être ça, l'économie dans la sphère humaine, dans l'environnement. Voilà ce que ça devrait être. Et en réalité, c'est même pas ça qu'on fait. Ça, c'est la théorie. Dans les faits, ce qu'on fait, c'est ça. Tout le contraire de ce qu'il faut faire. On mise sur ça. On mise sur le découplage. On va découpler. On découpe déjà, nous raconte-t-on. On va continuer à croître économiquement, mais on va soulager la planète. Alors, est-ce qu'on décroît sur les gaz à effet de serre? Il y a certains pays qui ont réussi à décroître, effectivement, à découpler, pardon, sur les gaz à effet de serre. Donc, ils ont continué à croître économiquement tout en diminuant les gaz à effet de serre émis. Mais temporairement et uniquement à l'échelle d'un pays, est-ce qu'on sait faire ça durablement à l'échelle de la planète? Non, pas possible. Parce qu'en réalité, les choses se tiennent. Ce pays, s'il a réussi à faire ça, c'est parce qu'il utilise pour cela des ordinateurs, tout un tas de choses qui ont été produites ailleurs. Je ne vois pas d'émissions importées, là. Je parle de relations systémiques beaucoup plus profondes. Bref, au niveau mondial, on ne sait pas découpler. Mais surtout, il n'y a pas que les GES. Arrêtons avec cette obsession des gaz à effet de serre. C'est important, hein, une fois de plus. Mais est-ce qu'il y a un découplage entre la croissance économique et les autres formes de pollution? Non. Il y en a de plus en plus, le monde devient toxique. C'est un surcouplage et pas un découplage. Est-ce qu'il y a un découplage entre la croissance économique et les matières premières qu'on utilise? Non, il y a un surcouplage. Il n'y a pas que le GIEC, il y a aussi le JR, qui fait partie également de l'ONU, c'est les experts mondiaux des ressources, et qui nous disent depuis 2016 que pour produire un point de PIB aujourd'hui, on utilise plus de ressources qu'on en utilisait pour produire le même point de PIB à la fin des années 90. Il y a un surcouplage. Est-ce qu'on pollue moins? Non, il y a un surcouplage. Il n'y a pas de découplage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et pourtant, tout est misé là-dessus. Tout, sur notre capacité imaginée, fantasmée, à découpler. Alors regardons un petit peu, parce qu'on nous dit, oui, on va croître, mais pour revenir au gaz à effet de serre, parce que tout le monde ne parle que de ça, et aujourd'hui, malgré tout, le sujet, c'est le climat. Tu regardes la montre, c'est ça? Oui, moi aussi. Regardons un petit peu. Voilà la gueule qu'a l'évolution du PIB mondial, en dollars constants pour les plus pointilleux, entre 1820 et 2018. Belle croissance. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire ça en consommant moins d'énergie? C'est mal barré, parce qu'en réalité, si on regarde entre 1965 là, et puis 2017, voilà, il y a une
une corrélation qui est très, très, très forte entre la consommation énergétique et la production de PIB au niveau mondial, en dollars constants toujours. Très important, sinon on finit par dire n'importe quoi. Plus de PIB, ça veut dire qu'il y a plus d'énergie, d'accord ? Alors oui, ok, d'accord, plus d'énergie, mais quand même moins de gaz à effet de serre puisqu'on décarbone. Ben, pas vraiment. Parce que pour l'instant, voilà où on en est. La production énergétique mondiale, la consommation énergétique mondiale, voilà comment elle a évolué depuis le début des années, depuis le début du 19e siècle. Ici, là, aujourd'hui, nous avons le charbon, le pétrole et le gaz. Et aujourd'hui encore, plus de 80%, 83% ou dans ces eaux-là, de l'énergie primaire mondiale est produite à partir des fossiles. On développe beaucoup ça, là, les renouvelables. Oui, d'accord. Mais alors, il faudrait vraiment les développer encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite pour arriver à décarboner, pour faire en sorte que l'énergie au niveau mondial soit décarbonée. Mais c'est encore multiplié par 3, 4, 5 le taux de déploiement des énergies renouvelables ou en tout cas d'autres formes de production énergétique qui sont moins carbonées. Ça peut être l'hydraulique, l'hydroélectricité. Mais surtout, en décroissant fortement l'usage qu'on a des fossiles en parallèle. Fortement. Et faire ça tous les ans, chaque année, très très fort au niveau mondial. Vous croyez vraiment qu'on va décarboner dès demain ? Je ne dis pas que c'est impossible, un jour peut-être. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'on va réussir à décarboner notre production énergétique, là, maintenant, là, alors qu'on en a besoin pour ne pas se tirer une balle dans le pied sur le plan climatique ? Et pourtant, on veut de la croissance. Et ça, c'est l'article 3, alinéa 5 de la CCNUCC, la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Toutes les COP, dont celle qui vient de s'écouler, sont encadrées dans un processus qui est gravé dans un texte, vous pouvez le trouver en ligne, la CCNUCC, et c'est écrit dedans qu'il faut de la croissance économique et un développement durable, durabilité faible, bien sûr, et surtout pas gêner le commerce international. C'est pas le bon outil. Je dis pas qu'il n'en sort rien d'intéressant. Je ne dis pas que les gens qui travaillent là-dedans sont tous de mauvaise foi. La plupart ne le sont pas. Hein. Mais ils ne comprennent pas la systémique de cette chose-là. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas le bon outil. Donc même si des choses intéressantes en sortiront, tant qu'on ne remet pas en question fondamentalement le système, ça ne marchera pas. Ça va sur le plan mathématique ? Tout le monde suit ? Émissions de GES, PIB. Bon, mais regardons comment ça a évolué, parce que le but, c'est quand même de faire baisser ça. Hein. Par contre, on fait monter ça à mort. Donc, comment il a évolué, le terme central ? Le terme central, effectivement, parce que, essentiellement, on a fait des améliorations terribles, incroyables, en termes d'ingénierie, l'efficacité énergétique est bien meilleure, et donc, on a réussi à baisser ce terme d'environ 2,3 depuis le milieu du siècle dernier. Voilà. Seulement, à côté de ça, le PIB, lui, a fait ça. Voilà ce qu'il a fait, le PIB. On a donc GES... Ça a fait ça. Hein. Voilà. Il y a pas... Ça ne marchera pas. Année après année, COP après COP, la concentration atmosphérique en CO2, elle monte. Et pourtant, tout est basé sur notre capacité à découpler. C'est au cœur du Green New Deal américain. Ici, on a Alexandria Ocasio-Cortez. On a des gens autour d'elle qui sont, je suis sûr, de très très bonne foi et qui pensent que ça va être la solution. Mais globalement, ça dit quoi ? On va résoudre la crise climatique sans changer fondamentalement nos modes de vie. On va faire un tout petit peu d'effort, mais surtout, on va mettre à fond des voitures électriques et ça va aller, quoi. Et puis, en Europe, c'est pareil. On a à peu près le même projet, European Green Deal. Et Ursula von der Leyen, elle nous explique, d'après un rapport de la Fondation Schuman, voilà ce qu'elle veut. Voilà. Elle entend prouver que le découplage entre la croissance économique et la pression exercée par l'économie sur l'environnement est possible. Bon courage, Ursula. Les objectifs du développement durable, ils sont beaux, ces objectifs du développement durable. Qui n'en voudrait pas ? Pas de pauvreté, pas de faim. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Moi, je veux ça. D'accord ? J'espère qu'on va en atteindre le plus possible. Mais le problème, c'est le numéro 8. Quoi de travail décent et croissance économique ? Non, mais c'est partout. Hein ? C'est partout. D'ailleurs, on se demande bien ce que ça fout ensemble, travail décent et croissance économique. Bien, donc, pour finir cette première partie, la deuxième est plus courte, mais plus importante encore. Pour finir cette première partie, la conclusion, c'est quoi ? C'est qu'on est dans la... En tout cas, il est plausible qu'on soit dans la merde. Voilà. Et
Cette plausibilité devrait suffire. Comme je le dis, des fois, on n'attend pas de pouvoir démontrer que le navire va couler avant d'y mettre des chaloupes. Le fait de savoir qu'il peut couler, vu l'enjeu du naufrage, suffit pour mettre des canots de sauvetage. Et moi, maintenant, je vais vous expliquer comment on fait des canots de sauvetage. Bien, alors, voici le résultat de 10 années de boulot, en quelques slides. Ce que moi, je pense qu'il faut faire pour arriver à s'en tirer, collectivement. Et je n'ai pas dit, c'est facile. Et je n'ai pas dit, ça va forcément marcher. J'ai simplement dit, si on fait ça, si on le fait bien, on a une chance de limiter la casse. Et c'est déjà pas mal. Ah oui, dernière chose. Des fois, j'entends dire, il est trop tard. Ça n'a aucun sens, cette phrase. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'il est trop tard pour éviter une crise grave? Oui. Est-ce qu'il est trop tard pour préserver le système dans lequel on vit et nos modes de vie et notre confort? Est-ce qu'il est trop tard pour éviter que ce soit encore pire? Non. Il faut jouer à quatre niveaux différemment, selon moi. Tout d'abord, la réinvention culturelle. Deuxièmement, la remise en question active du système existant. Troisièmement, la résilience territoriale. Et quatrièmement, la reliance solidaire. Allons-y. Tout d'abord, la réinvention culturelle. Ça se joue dans la huitième sphère, la sphère des idées. Et dans cette sphère des idées, il faut déjà commencer par déconstruire un certain nombre d'idées préconçues qu'on a. Notamment celle-ci. Ils vont trouver les solutions. Ils n'existent pas. Ils vont trouver des solutions à des problèmes spécifiques. Ils vont permettre de soigner certains symptômes, mais pas le mal profond. Jamais, si à partir du moment où ils ne remettent pas en question le système. Et donc, on est purement dans un système d'addition de rustines. Ça correspond à ça. Le solutionnisme en tant que tel, celui qu'on vous enseigne peut-être dans cette école, celui qu'on enseigne en tout cas beaucoup aux ingénieurs, le solutionnisme, c'est quoi? C'est résoudre des problèmes. On a un système. Le système fonctionne. Et puis, problème. Le système dysfonctionne. On résout le problème pour que le système se remette à fonctionner. Fondamentalement, c'est quoi? C'est maintenir le système. Les innovations? C'est quoi les innovations? Est-ce que vraiment c'est disruptif? Est-ce que Amazon a disrupté la société? Elle a juste accéléré un mouvement qui était déjà en cours. La plupart des innovations ne font qu'accélérer, mais la plupart des innovations ne remettent pas en question, ne reposent pas la question fondamentale de pourquoi on vit ensemble, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi je me lève le matin, ce qu'on veut continuer à faire et ce qu'on veut arrêter, ce dont on ne veut plus. On a l'impression qu'un truc qui existe, on ne peut pas y toucher. C'est sacré. S'il y a des emplois à la clé, s'il y a un humain qui a créé ça, on ne peut pas revenir en arrière. D'où ça vient, ça? Aujourd'hui, il va falloir remettre en question beaucoup de ce qui existe. On parle de grands programmes d'investissement. Très bien. Oui, il faut investir dans la transition écologique, dans tout un tas de choses. Et il est où, le grand programme de désinvestissement? Ah oui. Donc, surtout, il vient d'où, l'argent? C'est de l'argent en plus? Parce que souvent, quand on parle de programme d'investissement, on dit oh, on va faire fonctionner la planche à billets, quantitative easing, la BCE, tout ça. Mais non. Il faudrait prendre cet argent dans des activités qui existent aujourd'hui, qui sont totalement délétères, sauf pour les actionnaires dont ça sert les intérêts privés, et il faudrait mettre ça au service de l'intérêt général. Il faudrait juste basculer les fonds et non pas juste en créer de nouveaux. Donc aujourd'hui, clairement, même si tout le monde ne le ressent pas encore, et même si les gens qui le ressentent ne savent pas toujours pourquoi, il y a un rétrécissement des possibles et les gens le sentent. Parce qu'ils le sentent, il y a une perte de repères, et parce qu'il y a une perte de repères, les gens ont besoin de construire collectivement du sens. Et dans ce contexte-là, il y a des nouveaux récits qui se forment. Les nouveaux récits ne vous ont pas attendu. Les nouveaux récits sont déjà là, sont en train de se former, ils sont en train de se répandre, ils sont en train de gagner beaucoup, beaucoup de poids. C'est quoi ces nouveaux récits? Bon, moi, je peux me tromper, on peut en discuter, mais moi j'ai l'impression qu'il y a deux grandes familles de récits. La première grande famille qui consiste à consolider les rapports de force existants, essayer de s'accrocher au système et être prêt, dans certains cas, à tout pour ça. De toute façon, dans l'histoire, on a toujours été prêt à tout pour ça, jusqu'à esclavagiser des millions de personnes, donc pourquoi se priver? L'autre grande famille de récits, c'est « je sens que ça ne va pas être drôle demain, donc je me replie ». Que ce soit un repli identitaire ou autre, et c'est des récits d'une manière ou d'une autre qu'on peut schématiser sous la forme « nous contre eux ». Que ce soit les premières
la première ou la deuxième famille de récits, ça n'augure rien de bon. Rien du tout. Donc moi, je vous dis, il est temps, et plus que temps, d'avoir d'autres types de récits et de faire en sorte qu'ils prennent, qu'ils accrochent. Et on a tous notre rôle à jouer là-dedans. Ce n'est pas juste raconter des histoires, c'est aussi faire des choses et mettre en récit ce que l'on fait. Si vous avez des projets, documentez tout. Vous avez un petit projet, vous êtes trois, vous allez vous faire une réunion, on est combien le 22 ? Vous allez vous faire une réunion le 23 novembre dans la cuisine de Jean-Michel, et puis vous allez être là, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, t'es motivé, toi ? Ouais, je sais pas trop. Franchement, vous avez l'air de trois couillons. Et puis en plus, c'est novembre, il fait froid, c'est gris, c'est pas sexy. Ben vous savez quoi ? Documentez-le. Prenez des photos, peut-être une vidéo, posez des questions aux gens qui s'expriment sur comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils pensent, etc. Et alors surtout, ne le diffusez pas. Vous seriez ridicule. Ça n'a absolument aucune espèce d'intérêt. Et c'est parce que ça n'a aucune espèce d'intérêt qu'il faut le chérir, le garder, le mettre dans un coin. Parce que ça, vous allez le faire la réunion suivante, puis la réunion suivante, puis la réunion suivante. Et au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, quand vous aurez mené votre projet, par exemple, je ne sais pas, un projet où vous partez d'un terrain vague et vous en faites un super jardin vivrier, imaginons, hein, et bien vous aurez une photo avant-après et puis vous aurez un sacré récit à raconter. Regardez, on en était il y a 3 ans. 3 couillons chez Jean-Michel. Regardez aujourd'hui, on est 35, regardez comment les gens ils sont contents. Et là, vous avez un récit, et ce récit, il fait envie, il suffit ensuite de le diffuser, et il peut faire des petits ailleurs. Et vous passez du local, où vous avez votre pouvoir d'action direct, je ne dirais pas au global, mais en tout cas, vous pouvez véritablement avoir un impact qui dépasse largement votre sphère par le biais de l'inspiration. Il faut se raconter ensuite des histoires, les uns aux autres. Parce que les histoires, ils influencent nos perceptions de l'avenir. Alors, est-ce que c'est ça que l'on veut mettre en avant comme l'avenir qu'on veut ? Est-ce que c'est ça qu'on veut mettre en avant comme l'avenir qu'on veut ? On est génial. La technologie, c'est super. Est-ce que c'est ça ? Parce que ce type-là, il existe. Hein ? Ce n'est pas tiré d'une série télé. Est-ce que c'est ça ? Avec des gens qui se mettent localement ensemble pour fabriquer leur énergie, leur bouffe, leur habitat. C'est très bien, ça. Mais ça fait envie à qui, ça ? Peut-être une personne, merci. À qui ça fait envie, ici ? Eh, une partie, là. Mais est-ce que vous avez les mêmes, ceux qui ont levé la main ? Est-ce que vous avez conscience de ne pas être représentatif ? Ouais. Ça n'attire pas grand monde, ça. Et donc, il faut créer de nouveaux récits, pas toujours les mêmes, sortir de l'entre-soi, multiplier les images et les imaginaires qui sont véhiculés par d'autres façons de vivre. On peut décliner ça de plein de manières différentes pour attirer d'autres personnes, enfin. Pas toujours les mêmes. Est-ce que je pense que l'on peut faire basculer la société tout entière ? Non, je ne le pense pas. Ce que je pense, c'est qu'il va y avoir des points de bascule qui vont s'imposer à nous. Et qu'au moment des points de bascule, c'est la panique, parce qu'on ne l'a pas prévu. C'est le chaos. Dans la panique, dans le chaos, on n'invente rien du tout. Dans la panique, dans le chaos, on n'innove pas. La branche sur laquelle on était assise lâche et on se rattrape à la première qui vient. Et aujourd'hui, il n'y a que 2 branches. Celle sur laquelle on est assise, celle de la continuation du système. Et si elle lâche, il n'en restera qu'une, l'autre. Nous contre eux. Il faut créer une autre branche. Il faut faire pousser une autre branche. C'est-à-dire que le but, c'est d'arriver à créer une alternative qui restera marginale peut-être, mais qui soit suffisamment convaincante, qui soit suffisamment variée pour attirer plein de gens, qui soit suffisamment inspirante et qui soit suffisamment connue pour qu'au moment venu, quand la branche lâchera, les gens puissent se rattraper à celle-là. À nous de façonner de nouveaux imaginaires collectifs. C'est une nouvelle civilisation, rien de moins. Alors je sais que quand je dis ça, les gens font « c'est trop pour nous ». Non, non, mais en fait, tout existe déjà ou presque. Mais à la base, il faut sortir de la logique de croissance, même verte, et de l'idée du fait qu'il faut mettre un prix sur les choses pour qu'elles aient de la valeur. C'est faux. Si vous mettez un prix sur quelque chose, derrière, il y a des gens qui spéculent. Il faut que l'imaginaire techniciste, que vous compreniez qu'il est périmé. Une fois de plus, elles ont un rôle à jouer, les techniques, évidemment. Mais c'est pas la solution ne viendra pas de là. Le solutionnisme, c'est bien gentil, mais il faut arrêter de vouloir résoudre des problèmes et se poser plutôt la question, quel problème ? À quel problème je m'attaque ? Réinterroger d'abord les finalités, donc. Parce que pour répondre à la question à quel problème je m'attaque, il faut se dire d'abord, pourquoi je fais les choses ? Aujourd'hui, on ne sait répondre qu'à la question comment. C'est du bottom-up. Il y avait la maire, Madame la maire, elle est partie, mais le truc est que
Évidemment, si on a des élus qui, depuis le haut et plus haut placés, ils sont peut-être plus impactés de grand, ça dépend à quel sujet. Si on a des élus qui, depuis le haut, top-down, agissent comme des grands facilitateurs de transition gigantesque, ah ben, ça va être beaucoup plus facile. Donc oui, on a besoin de ça. Et oui, on a besoin de poser pour ça, d'essayer que ça se produise. Mais est-ce qu'on veut vraiment attendre que ça vienne du haut? Je pense qu'il faut prévoir que peut-être ça ne viendra pas du haut. Que peut-être ça ne viendra du haut que si c'est d'abord venu du bas. Et donc, c'est nous. C'est une œuvre collective et une responsabilité individuelle. Et à la base de tout ça, il y a un récit, ou des récits plutôt parallèles, avec des nouvelles valeurs, des nouvelles règles de savoir-être, de savoir-faire ou de savoir-vivre ensemble, des nouveaux savoir-faire, effectivement, des nouvelles compétences et des fois des anciennes compétences remises au goût du jour. Une nouvelle éducation à faire de à peu près tout le monde. Et puis des héros pour incarner tout ça. Je n'ai pas dit des leaders, je dis des héros qui incarnent, des icônes. Des gens qui ont du charisme et qui incarnent cette nouvelle hiérarchie de valeurs. La guerre des imaginaires de l'avenir a commencé, la guerre, oui, la guerre. Et à nous de créer des imaginaires inspirants, vecteurs d'espoir lucides. Il ne s'agit pas d'abandonner l'espoir, il s'agit bien d'en garder, mais de changer totalement l'objet de notre espoir. Je suis désolé, mais la plupart de vos grandes ambitions ne se réaliseront pas. Est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas être ambitieux? Non. Ça veut juste dire qu'il faut revoir ce en quoi vous placez vos objectifs personnels de vie ou professionnels. Moi, je voulais faire du cinéma. Je voulais réaliser des films. Et j'ai pas. C'est pas que j'ai échoué, hein. C'est que je me suis dit, à quoi bon? Je n'ai même pas essayé. En fait, au bout d'un moment, j'ai très vite réalisé, mais non, mais qu'est-ce que je fais là? Se faire du faire ensuite. Parce que bien, d'abord, ça commence là-dedans, mais ensuite, il faut faire des choses. Et donc, d'abord, on remet en question l'existant de façon active. Il faut passer d'un système qui est artificiel ou artificialisant un système qui est régénératif. Il va falloir apprendre à dire stop. Il va falloir apprendre à se lever, à se retrousser les manches et à se mouiller. Il y a eu un appel de 1000 scientifiques pour entrer en rébellion. Ça aurait dû faire les gros titres parce que c'est inédit. On n'a pas fait les gros titres. Qui le savait? Quelques-uns, les plus militants. Il y a des moments dans l'histoire où il faut savoir se dépasser et faire quelque chose de symboliquement fort. Je ne sais pas si demain l'un d'entre vous se mettra devant un tank, mais peut-être devant un bulldozer ou autre. Tout à l'heure, je parlais de la mine de Garzweiler en Allemagne. Bon, ben voilà. En juin 2019, on a 6000 activistes, je crois, qui sont venus de toute l'Europe pour bloquer la mine. Ils ont réussi à bloquer la mine pendant 48 heures. Alors, c'est un échec, c'est une réussite. Ben, jusqu'à présent, c'est un échec. C'est un échec parce que ça n'a été que 48 heures. Si ça avait été le début de quelque chose, si ça avait été faire un événement pour un événement, ce n'est pas une finalité. D'accord? Bon, on verra. Peut-être que quelque chose de nouveau se prépare. Je ne suis pas au courant si c'est le cas. Peut-être que ce sera une réussite. Il y a beaucoup de gens, jeunes et moins jeunes, qui se mobilisent. Et regardez les formes de mobilisation actuelles. Agissez maintenant. Une injonction adressée aux dirigeants. Act now, leaders act. Si vous n'agissez pas en adulte, alors nous le ferons. Ben, fais-le. Facile à dire, je sais. Give us a future. C'est-à-dire que sans vous, les dirigeants, nous n'avons même pas de futur. Il faut se réveiller là. Ce n'est pas la bonne manière de militer. Alors excusez-moi, j'ai décidé de mettre les pieds dans le plat. J'ai hésité avant de mettre cette slide et finalement je l'ai mise. On ne voyait pas, pendant la Seconde Guerre mondiale, on ne voyait pas les résistants défiler dans la rue pour exiger des nazis qu'ils soient moins méchants. Évidemment, cette métaphore a ses limites. Ce que je veux vous dire par là, c'est que je vois souvent dans les gens qui se mobilisent la même chose. J'y vois une vraie conviction, une vraie envie de changer, mais une mécompréhension de tout ce qui est requis,
une mécompréhension de l'amplitude des changements qui sont nécessaires et de la manière dont on peut y arriver. Une mécompréhension aussi de leur pouvoir d'action, de leur pouvoir de mobilisation. On nous dit, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah ben, vous pouvez limiter votre consommation de viande, vous pouvez consommer moins d'électricité, voyager moins, faire du vélo, patati, patata. En fait, quasiment tout ce qu'on vous dit ce que vous pouvez faire en tant que consommateur et en tant que citoyen. En tant que citoyen, vous pouvez vous mobiliser. En tant que citoyen, vous pouvez rentrer en résistance contre un système. Je ne vous dis pas comment. Différents niveaux de radicalité possibles, en votre âme et conscience. Mais il y a un moment, il faut rentrer en résistance. Et ça signifie arrêter d'aller à une manif avec des copains ou des copines en se disant « on va militer, on va y aller, etc. » Puis après, on ira boire un verre, on jouera de la gratte, il y aura de la musique, ça sera sympa. Ces gens-là, ils ne faisaient pas la fête en permanence. D'accord ? Je suis sûr qu'ils savaient célébrer les victoires. Mais ils gagnaient d'abord. C'était des gens graves parce que la situation était grave. Aujourd'hui, notre situation, elle est encore plus grave. Sans minimiser toutes les guerres et toutes les horreurs du passé, ce serait quand même mal vu de ma part, sans minimiser tout ça, aujourd'hui, c'est l'habitabilité de la planète Terre qui est en question. Et ça se joue dans les 30 prochaines années. Je n'ai pas dit que dans 30 ans, ce serait plus habitable, mais ça se joue dans les 30 prochaines années. Malheureusement, on est bien confortablement assis chez nous, face à la télé, on regarde Netflix. Mais eux, là, ils allaient risquer leur vie au quotidien. Alors, sans vous demander demain d'aller risquer votre vie, parce que ce serait un peu bizarre dans le schéma actuel, pour autant, il faut risquer quelque chose. Est-ce que vous êtes prêt à faire de la prison? Un peu de prison? Non, parce que ces gens-là, ce n'est qu'a posteriori qu'ils ont été vus comme des héros. Sur le moment, c'était des parias, c'était... Pas pour tout le monde, heureusement. Mais en tout cas, du point de vue des autorités, ah oui, forcément, c'était des éléments subversifs. Il faut que vous soyez les éléments subversifs d'aujourd'hui si vous voulez avoir une chance d'être les héros de demain et si vous voulez peut-être avoir une chance un jour, vers la fin de votre vie peut-être, de vous regarder en face et de regarder en face vos enfants. Voilà moi ce que je pense. Il faut se sortir vraiment les doigts, comme on dit. Est-ce qu'on change le système? Et le problème, c'est que le système... Il est lourd, il est solide, il a une grosse inertie. Donc on peut essayer, c'est ce que je suis en train de vous dire, de rentrer en résistance pour changer le système partout où on peut. Mais sans se leurrer non plus. Parce qu'il s'auto-organise et parce qu'il a une certaine homéostasie. On le pousse, il revient. Et donc essayons tout ce qu'on peut, mais prévoyons le cas où peut-être on n'y arriverait pas, là encore. Et donc en parallèle de toutes les tentatives pour changer le système, il faut changer deux systèmes. Notamment par la résilience. La résilience, c'est la capacité, en l'occurrence d'un système, hein, parce qu'on pourrait réfléchir à la résilience, il y a plein de résiliences différentes. Là, on parle de résilience d'un système, d'une société. Pas juste une société en interaction avec son environnement, ce qu'on appelle un système socio-écologique. Donc, la résilience d'un système socio-écologique, c'est sa capacité d'abord à résister à un choc, mais si le choc est trop grand, à ce moment-là, à basculer en mode dégradé. Mais plus un système est résilient, c'est la courbe en pointillé, plus il résiste, alors que sinon il tombe tout de suite, moins il descend bas, et plus il remonte vite, capacité à recouvrer, et plus ensuite il augmente encore en évoluant sa résilience. La résilience du système socio-écologique. La résilience, c'est une culture du risque qu'il faut développer tous. Il faut dire les choses et aborder les questions qui fâchent et qui font mal. En Suède, en 2018, ils ont fait circuler dans tous les foyers un prospectus qui s'appelait « En cas de crise ou de guerre ». Vous pouvez le trouver en ligne. Il a été traduit dans 22 langues, dont le français. À l'intérieur de ce truc, il est écrit nous rentrons dans une zone de turbulence. Il est possible que demain, il y ait une crise grave, il y ait une guerre, peut-être même. Et il est possible que l'État ne puisse pas subvenir aux besoins et assurer la sécurité de chacun d'entre vous. Vous devez être capable d'améliorer votre capacité de résilience en faisant ceci, 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 cela. Voilà quelques... au moins pour pouvoir tenir 10 jours, je crois qu'ils ont dit, ou une semaine, je ne sais plus si c'est une semaine ou 10 jours, 10 jours en autonomie totale si besoin. Est-ce que les Suédois ont fait « ils sont fous ». Est-ce que ce sont des collapsologues, des fous de l'effondrement, les gens au gouvernement suédois? Je ne crois pas.
Je crois par contre qu'ils n'ont pas la même culture que nous, effectivement, et je crois que dans leur culture, on responsabilise les gens et que ça fait peur, mais ça ne fait que personne s'effondre, personne se démobilise, personne se braque sous prétexte qu'on lui dit qu'il y a un risque. Au contraire, quand on l'équipe, quand on lui dit attention, il y a un problème, mais que on lui apporte quelque chose qu'il peut faire pour s'y préparer, les gens se sentent mieux. Ils se sentent pris au sérieux. Il faut. Bon, les barrières, c'est simplement en fonction de n'importe quel risque, il y a une barrière. Vous êtes en bas d'une montagne, avalanche possible, vous mettez un mur. Voilà. C'est aussi bête que ça. Pardon. Stock collectif. Oui, il faut des stocks pour passer les caps difficiles. Et ces stocks, vous pouvez en faire chacun chez vous, mais si vous ne faites que ça, ça n'augmente pas la résilience du système, ça la diminue. Parce que si jamais il y a une disruption majeure qui arrive et que l'on sait que chez Anthony, à la cave, il y a de la bouffe, je peux vous dire que ça n'augmente pas forcément la sérénité du système. Donc, faites des stocks collectifs. Il faut que vous vous organisiez au niveau collectif, peut-être au niveau communal, sinon c'est des collectifs citoyens ou des coopératives, pour avoir des stocks, pour gérer ces stocks et pour gérer la sécurité de ces stocks collectivement. Il faut faire ça en diversité et en réseau. Des gens différents, avec des profils différents, avec des niveaux de radicalité dans l'action différents, avec des projets différents et très divers. Tous ne réussiront pas, mais c'est bien comme ça qu'on rend le système plus résilient. C'est comme les monocultures. Une monoculture, ce n'est pas résilient. Il vaut mieux avoir plein de cultures différentes et en fonction de l'aléa qui peut se créer, climatique ou autre, ça résiste mieux. Tout ça en réseau et en interdépendance. Il faut travailler la robustesse, mais je l'ai dit déjà tout à l'heure, à savoir quand un choc arrive, la capacité à résister, puis la flexibilité, si le choc dépasse un certain seuil, la capacité à passer en mode dégradé et à s'adapter tout en conservant les fonctions essentielles du système. Il faut de la redondance. Tous les systèmes clés doivent être doublés ou triplés. Voilà, il ne s'agit pas de dépendre d'un truc vital et puis s'il arrête de fonctionner, ah, c'est foutu. Ensuite, également, il faut développer la capacité d'organisation et la capacité de planification que l'on a en tant que groupe. Ça signifie qu'il faut travailler ensemble, il faut se connaître. Il faut donc organiser des groupes de discussion et des groupes de travail, essayer de rameuter le plus possible des gens différents là-dedans. Et il faut le faire sans attendre. Parce que si on attend qu'il soit trop tard, on ne se connaîtra pas assez pour qu'il y ait de la confiance dans le système et pour organiser ces capacités dont je vous parle. Le caractère apprenant des systèmes est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il faut savoir apprendre de ses réussites et de ses échecs, et donc des gens qui doivent être spécialisés sur la capitalisation, sur ces retours d'expérience. L'adaptabilité du système est extrêmement importante. Ça se développe essentiellement justement en ayant des marges de manœuvre, en développant par exemple avec les stocks dont je parlais, mais également en ayant des solutions de repli, par exemple avec des redondances, et des plans A, des plans B. On devient plus adaptable. Et la débrouillardise est une notion clé. Parmi vous, il y a des gens qui sont plus débrouillards que d'autres. Je ne sais pas à quoi ça se joue, la débrouillardise. C'est un peu un truc un peu impalpable. Des fois, c'est inné. Il y a des gens qui sont débrouillards. Sachez repérer les gens débrouillards parce qu'ils sont clés. Voilà. Il faut vraiment travailler avec eux. Et si possible, les mettre, que ce soit les alliés et pas des ennemis. Nous avons une pensée système à développer. C'est grosso modo, en simplifiant, c'est quoi? Vous avez des problèmes qui se posent. Essayez de voir, au lieu de les traiter bêtement les uns après les autres, s'il n'y a pas une cause primaire à laquelle vous pouvez vous attaquer. Bon, je pourrais aller plus loin, mais c'est surtout ça. La régénérativité, je suis désolé, c'est un néologisme. Il faut que vos systèmes soient, sur le plan socio-culturel, les collectivités humaines, et sur le plan écologique, régénératifs. S'ils ne sont pas le cas, si vous avez des projets qui ne sont pas régénératifs, ou à minima neutres, ou des fois les projets ne peuvent pas être régénératifs, mais dans ce cas-là, il faut rajouter, trouver, agrandir le cadre du projet, le périmètre, pour y mettre une dimension régénérative, parce que si ce n'est pas le cas, je suis désolé de vous apprendre que vous serez du côté du problème. Il faut une sobriété, mais une sobriété systémique. C'est le système qui doit être sobre. Il ne faut pas juste faire confiance aux différents individus, chacun de son côté, pour être sobre. Ça, pourquoi pas, mais ça ne marchera pas. Il faut organiser la sobriété collectivement. Et pour ça, il faut se poser collectivement ces questions, politiquement, de façon citoyenne, ces questions. Quelles sont les finalités? Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Et il faut passer de l'hétéronomie à l'autonomie pour tout ce qui est besoin de base. C'est-à-dire que vraiment, pour le vital, il ne faut plus dépendre de chaînes d'approvisionnement qui viennent de l'autre bout du monde. Et enfin, je termine pour vous dire qu'un système résilient, c'est aussi et avant tout des hommes et des femmes qu'il faut préparer, donc ça c'est la culture du risque, à qui il faut distribuer des rôles, c'est-à-dire qu'ils le font eux-mêmes ou ça vient du haut, ça à la rigueur, c'est secondaire, mais le fait est que lorsqu'il y a des gens qui savent qu'en cas de problème, ils ont telle casquette et qu'ils ont tel rôle, si un jour un problème se crée, qu'il y a une disruption majeure, alors dans la panique, ils vont immédiatement se rappeler, se rattacher à leur rôle. Plutôt que d'être des agents du chaos, ils seront des agents de l'organisation de la réponse face à ce chaos. Il faut passer
Ah oui, SEP. SEP, c'est qu'il faut quelque part expérimenter. SEP, c'est le sentiment d'efficacité personnelle. C'est-à-dire qu'il faut donner aux gens le goût de tenter des choses et qu'ils aient droit à l'échec. C'est uniquement dans ces conditions-là que les gens peuvent tenter des choses. Et quand ils tentent, ils vont finir par réussir. Et quand ils réussiront et qu'on les encouragera, ils continueront. Et ils développeront un sentiment d'efficacité personnelle. C'est ce sentiment d'efficacité personnelle qui fait qu'une personne et in fine un groupe se met en mouvement, se mobilise. Il faut que les systèmes soient inclusifs et en cohésion sociale. Il ne faut pas laisser les maillons les plus fragiles de la chaîne sociale de côté. Si vous faites ça, il va y avoir des grosses tensions le jour où ça va casser, parce qu'ils vont se retrouver, être les premiers atteints par la crise, et donc ils seront des agents de désordre. Alors que si vous travaillez avec eux, si on travaille tous ensemble, et que chacun trouve quelque part sa place dans l'équation générale, et que chacun fait quelque chose qu'il sait qui est utile à l'intérêt collectif, à part quelques cas, parce qu'il y a beaucoup de cas de figure où des gens se foutent royalement de l'intérêt collectif, mais tous ceux qui veulent bien aller dans cette direction-là, il faut les prendre et les amener avec. Voilà. La solidarité à l'intérieur d'un territoire, par exemple, entre territoires, pour créer de la confiance. Solidarité, ça veut dire que je partage avec toi les bonnes et les mauvaises nouvelles. C'est que si j'ai besoin d'aide, je sais t'appeler, mais si tu as besoin d'aide, je sais venir. Ensuite, il y a les communs. Il faut développer des communs. Là, je vais le faire un peu. Bon, les communs, c'est quoi? C'est les choses dont on dépend, qui sont vitales pour tous. Ça peut être le foncier nourricier, la terre dont on tire notre subsistance. Ça peut être les semences, ça peut être les aquifères, certains écosystèmes, les infrastructures essentielles, etc. Et toutes ces choses-là, on doit les sortir des logiques de marché. On doit les sortir, les sauver des logiques de spéculation. C'est impératif. On ne peut pas laisser une multinationale, on ne peut pas laisser un riche qui vit à l'étranger acheter une terre vivrière et en faire ce qu'il veut. Alors en France, c'est un peu compliqué de faire ça, mais il y a encore des cas où c'est possible. On ne peut pas faire ça. Il faut reprendre le contrôle des choses qui sont essentielles et ça se joue au niveau territorial, ça. Et il faut pour cela, selon moi, organiser la descente énergétique et matérielle tout en assurant une base vitale garantie pour tous. Donc selon moi, un vrai projet de société, c'est d'arriver à dire pour les choses essentielles, la base est assurée à tous. Donc déjà, en mode résilience, on fait qu'on se prépare aux enjeux du futur, notamment aux disruptions climatiques, etc. On essaie de faire en sorte, en diversifiant la manière de produire la bouffe, par exemple, d'être plus solide face à ça, c'est une chose. Mais ensuite, surtout, que les denrées alimentaires de base soient accessibles aux gens gratuitement, une certaine quantité, hein. Donc là, il y a des projets, par exemple, de sécurité sociale alimentaire qui existent pour le remboursement, prise en charge des denrées alimentaires de base. Il faut que les premiers kilowattheures d'électricité, que les premiers litres d'eau, que les premiers kilomètres parcourus, que les premiers mégabits de données, que les premiers je ne sais quoi encore, soient assurés aux gens gratuitement, selon moi. Et de là, déjà, à la base, on arrête d'être dans une société de la peur. On arrête dans une société de nous contre moi, des gens qui vont bosser parce qu'ils doivent bosser pour se nourrir. Et ça commence à inverser les rapports de force. À partir de cette société-là, à partir de ce changement-là, une société n'est plus la même. Quand les employeurs ont besoin de créer du sens pour recruter, la base est assurée. Si on consomme plus, on paye normalement. Si on consomme beaucoup, on paye cher. Et si on fait du mésusage, qu'on décide de remplir sa piscine d'arroser son golf en pleine canicule, alors on raque à mort. Et au final, ça peut être calculé pour que ça ne coûte strictement rien à l'État. D'un côté, on perd, de l'autre côté, on gagne. Enfin, il est temps de se comporter différemment avec le reste du vivant. Ça, c'est fondamental, c'est presque anthropologique, c'est peut-être pas Arthur Keller qui va le décider tout seul. Et moi, je vous le dis, hein. Et là, je ne suis pas dans un rôle de militant pour le vivant, animaliste ou je ne sais quoi. Là, c'est l'expert systémicien qui vous le dit. Pourquoi on est dans cette situation folle? C'est parce qu'on s'en fout totalement de la nature et parce qu'on méprise ouvertement le reste du vivant. Tant que ce ver-là sera dans la pomme se fera bouffer. Il est temps d'entrer en entraide avec le reste du vivant, d'arrêter de lui appuyer encore la tête sous l'eau quand elle est en train de se noyer. Voilà. J'attire juste votre attention sur certaines dérives. On a par exemple la loi climat et résilience qui a été votée il n'y a pas longtemps. Bon, ben, ce n'est pas moi qui le dis, c'est
Le Haut Conseil pour le climat, il n'y a quasiment rien qui parle de résilience dans ce projet de loi climat et résilience. Hein. On a également un plan national de relance et de résilience. Je l'ai lu. Il y a un tout petit morceau de résilience qui est sur le fait de sécuriser certains approvisionnements en certaines ressources de certaines industries françaises. Pour le reste, rien d'autre. Alors, de là à parler d'un plan national de relance et de résilience. Donc, il y a une récupération politique et idéologique de ce terme. Et puis, il y a des gens qui font une mauvaise utilisation de ce mot avec les meilleures intentions du monde. Beaucoup de gens qui ont une conscience écologique et qui pensent que si c'est résilience, c'est écolo et vice-versa. Et c'est faux. La résilience et l'écologie, ça, c'est lié, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même finalité. La résilience, c'est une question de sécurité. Donc, au final, que vous dire ? Par exemple, une voiture écolo, ça va être une voiture légère qui consomme peu, qui peut-être optimise l'injection dans le moteur, patati patata. Un véhicule résilient, c'est le gros tof-tof avec le gros moteur d'hier qui roule à l'huile, qui peut rouler à l'huile de friture. Ça, c'est résilient. Si vous raisonnez au niveau d'un système, un système écolo, c'est un système qui limite au maximum tous les flux d'énergie et de matière, alors qu'un système résilient, il va redonder certaines choses, comme je vous l'ai dit, il va faire des stocks, et ça, c'est à certains égards plus d'énergie, plus de matière. Et justement, il faut dans ce système que certaines choses croissent, tandis que les autres décroissent. Voilà, une ville optimise également tous les flux d'énergie et de matière, notamment pour l'énergie. Il est beaucoup plus efficace de chauffer une centaine d'habitations dans un même immeuble dans une ville que de chauffer 100 maisons individuelles de volume équivalent à la campagne. C'est donc beaucoup plus écolo, quelque part, dans ce sens du terme, et pourtant, c'est beaucoup moins résilient. Parce que lorsqu'on vit dans une ville, et plus grande est la ville, plus on dépend de flux d'approvisionnement en entrée et de déchets qui s'en vont en aval. Bon, voilà, je passe. Si vous voulez, on parlera de ça, si ça intéresse des gens, après. Les low-tech, qui sont une des façons, justement, de concilier résilience et écologie. Il faut aujourd'hui, en tout cas, j'ai fini encore 2-3 slides, mais je vais très vite maintenant, il faut qu'on soit des alternatives inspirantes. Allez voir du côté si vous ne connaissez pas des villes et territoires en transition. Tout n'y est pas. Il y a un peu de naïveté, je trouve, en général, sur la question de la sécurité. Il va y avoir des violences et la plupart des gens qui sont dans ce réseau, dans ce mouvement-là, n'en parlent pas ou très peu. Je pense que c'est un tort. Pour autant, c'est très créatif. Il y a beaucoup de choses. C'est une façon d'aborder ce futur qui est en pente d'une manière qui est créative et qui est constructrice d'espoir collectif. Pour tout ça, il faut expérimenter. Et je termine donc pour dire, mais c'est très court, qu'il va falloir également faire ça en reliance les uns avec les autres. Parce que la résilience, j'en parle beaucoup, mais pour autant, ce n'est absolument pas la finalité. Et comme je le dis souvent, une dictature, c'est très résilient. La mafia, elle est super résiliente. Donc il faut faire ça en dignité collective. La reliance, c'est travailler les uns avec les autres, c'est s'occuper des maillons faibles ou vulnérables de la chaîne sociale, c'est tisser des relations pour aller vers un objectif commun avec des gens qui sont différents de nous. C'est ça. Et tout ça, c'est un écosystème. Un écosystème d'acteurs avec des penseurs, des faiseurs, des inspirateurs, des organisateurs et des facilitateurs. Les penseurs, ils étudient, ils conceptualisent et ils proposent. J'en fais partie. Les faiseurs sont des gens qui mettent au point, montrent l'exemple et transmettent. On ne fait pas vraiment partie pour l'instant. Les inspirateurs sont des gens qui racontent, qui diffusent, qui rendent inspirants. J'essaie d'en faire partie. Les organisateurs sont des gens qui structurent les réseaux, qui les animent, qui les coordonnent. Et les facilitateurs sont des gens qui ont des moyens, pas forcément financiers, et qui peuvent financer, patronner en capacité. À vous de savoir dans quelle catégorie vous vous trouvez, où vous pouvez, où vous voulez vous trouver. Et vous trouvez votre place dans tout ce qu'il faut faire. En tout cas, ça commence par des conversations. Il faut se dire collectivement, c'est quoi l'avenir? C'est quoi les problèmes? C'est quoi les limites? C'est quoi les contraintes? C'est quoi les risques? Et c'est quoi nos ressources? C'est quoi nos richesses? C'est quoi nos atouts? Et comment on peut faire correspondre les seconds aux premiers? Posez dans tout ce que vous entreprenez cette question, que peut-on faire pour vivifier notre collectivité et la nature, et pour tendre vers l'autosuffisance territoriale pour tout ce qui est vital? Il ne s'agit pas d'autarcie. Voilà, j'ai fini. C'est une question de changement des imaginaires, de dire stop, de rentrer en résistance, de créer de la résilience et de faire ça ensemble. Et tout ça, c'est la clé. On est sur un chemin, à une croisée des chemins,
Et comme vous me l'avez peut-être entendu dire pour ceux qui me connaissent déjà, c'est le déclic ou le déclin. Merci. Merci beaucoup, Arthur Keller, pour cette conférence. Donc, c'est ouvert aux questions, commentaires, voilà. Vous m'entendez ? Oui. Ouais. Vous avez souvent parlé des récits, de l'importance des récits qu'il faut construire ensemble. Je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est que, dans votre théorie d'effondrement, vous parliez souvent des conséquences et du fait que les sociétés allaient forcément être violentes ou que ça allait être... compliqué et ça n'allait pas se faire sainement. Est-ce que vous vous basez sur des faits ou c'est ce que vous pensez ? Et si c'est des faits, racontez vos bases et vos sources. Merci pour cette question. C'est compliqué parce qu'effectivement, il y a des hypothèses implicites, il y a des idées générales qui circulent, qu'on voit souvent d'ailleurs dans les films, où le monde d'un seul coup, tout le monde devient fou, les pillages... Il y a une branche de la sociologie qui s'appelle la sociologie des catastrophes. Dans la sociologie des catastrophes, on remarque que c'est rarement le cas, en réalité. Qu'il y a toujours des individus qui pètent un câble, mais que, ou qui sont très individualistes, qui développent des comportements antisociaux, mais que malgré tout, globalement, les gens s'entraident plutôt. Mais je pense que la sociologie des catastrophes ne s'applique pas au cas dont il est question ici. Les catastrophes, ce sont des événements qui sont, on le sait, même si ça peut durer des fois plus longtemps qu'on ne le souhaiterait, malgré tout, c'est des événements qui sont circonscrits dans l'espace et dans le temps. Ce ne sont pas des grandes tendances dont on voit le début mais pas la fin, et dont on peut se dire, mince, c'est irréversible, et il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Et dans ces conditions-là, je ne pense pas que le meilleur de l'homme soit naturellement amené à s'exprimer. Est-ce que l'homme est bon ? Est-ce que l'homme est mauvais ? Je pense qu'il n'est aucun des deux. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Je pense que la plupart des gens ne sont ni l'un ni l'autre, que ça dépend des circonstances. Et je pense qu'il y a des gens qui sont opportunistes, puis il y a des gens, c'est juste qu'ils vont suivre le mouvement. Beaucoup vont juste suivre le mouvement. Et ça, c'est un rapport avec ce qu'on appelle en psychologie l'humeur sociale. Ou l'état d'esprit social, des fois, on trouve. En grosso modo, c'est quel état d'esprit règne dans la société dans laquelle tu vis ? Et notamment, est-ce que tu fais confiance aux autres ? Et là, tout de suite, on part dans un autre domaine que certains appellent la psychologie spéculaire. Spéculaire, c'est un adjectif qui veut dire qu'il se rapporte au miroir. La psychologie spéculaire, c'est que tu adaptes tes comportements non pas au comportement de l'autre, tu adaptes tes comportements à ce que toi, tu penses que l'autre va penser de toi. Ou alors ce que tu penses, que comment l'autre va réagir, machin. C'est juste une projection, une imagination personnelle. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui risquent de réagir en mode violent, non pas parce qu'ils sont violents, non pas parce que les autres sont violents, mais parce qu'ils s'imaginent que les autres vont l'être. Ils anticipent là-dessus. Et là-dessus, beaucoup de récits qui nous montrent ça, ces clichés-là, ont un rôle, ou en tout cas ont une responsabilité, dans le fait que malheureusement, beaucoup de gens pensent que l'homme est comme ça, qu'on est dans un monde un peu hobbesien, hein, Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, et que voilà. Bon. Donc, la manière que les gens aillent plutôt vers l'intérêt général et vers l'entraide et vers le fait une stabilisation et une dignité collective, plutôt que vers les uns contre les autres, ben c'est précisément de ce que j'ai dit, hein, de préparer le point de rupture en installant d'autres façons d'être et d'autres façons de vivre, pas juste des récits abstraits, mais également raconter des récits, mettre en récit des choses concrètes, des expériences concrètes, pour montrer que c'est possible, pour inspirer et faire en sorte que ça grossisse un petit peu. Et même si ça reste dans la marge, que ça représente une nouvelle pousse qui soit demain une branche crédible à laquelle se rattacher au moment où ça dérape. Voilà. Et là, on donne aux gens l'occasion de faire le bien plus que le mal, ou on va dire d'être bon plutôt que mauvais, d'être collectif plutôt que perso, etc. Mais après, on pourrait parler des récits très longuement, parce que c'est quelque chose de très vaste et de multidimensionnel. Et il y a différents types de récits et différents types de choses que l'on peut faire à travers les récits. Et puis, il y a aussi des risques. Les récits sont un outil très utile. Il n'y aura pas de grand changement s'il n'y a pas un nouveau grand récit ou des nouveaux grands récits. Ce n'est pas possible. Il faut un récit fédérateur. Pour autant, une multiplicité de récits qui ne serait pas
cohérents entre eux, coordonnés quelque part, peut avoir un effet pernicieux. Et c'est là qu'on voit toute la difficulté de la chose. Si des auteurs, des artistes se mettent à nous proposer des récits futuristes, des récits du futur, d'anticipation, machin, alors qu'ils sont peut-être bons pour écrire des bonnes histoires, mais qu'ils ne sont pas bons pour comprendre tout ce dont j'ai parlé là, et pour en déduire les possibles, mais aussi les pas possibles de demain, eh bien on va se retrouver avec plein de récits qui nous sortent des conneries, où demain il y a un deus ex machina technologique, ou je ne sais quoi, des hommes providentiels, patati patata, et qui ne sont pas réalistes. Et au final, on a plein de récits qui nous disent des choses différentes, et au final, les gens, ils reçoivent tout ça, tout ce gloubi-boulga de choses. Et c'est quoi? Ils ne comprennent pas. Ils ne savent plus ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Et du coup, il n'y a rien de clair qui en ressort. C'est la confusion. La confusion mène au doute. Le doute mène à l'inaction. Voilà. Donc, la multiplicité des récits, non. La multiplicité, en tout cas, les gens qui ont l'intention, et je termine là-dessus, de produire des récits qui soient inspirants, mais des récits qui parlent le plus scientifiquement correctement possible de notre véritable avenir, des véritables possibles, ces gens-là doivent travailler impérativement en coordination avec des gens comme moi. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a. Parce que s'ils sont tout seuls de leur côté à écrire des récits, ça va être un peu du n'importe quoi. Donc il faut maintenant mettre des collaborations en place pour que les récits aient au moins soient au moins cohérents les uns avec les autres sur certains éléments fondamentaux. Bon, et puis patati, enfin, je ne peux pas répondre entièrement à cette question, sinon on est parti jusqu'à 4 heures du matin. Je vais juste rebondir sur les récits, les récits anciens qui ont été dénigrés. Tu parles de commun, d'entraide, etc. J'ai une sensibilité pour Kropotkin, ou c'est pour ça anarchiste, sur les entraides, le commun, etc. Ouais. On peut prendre les naturiens, alors je fais un peu de théorie politique, pardon. Ou la notion de liberté des modernes et des anciens. La liberté des modernes, je prends Berland, c'est sociologue de Toulouse. Philosophe de Toulouse. Où en gros, les modernes dénigrent l'autonomie, la liberté via l'autonomie des peuples du Chiapas, dits autochtones, indigènes, etc., pour la liberté d'entreprendre, enfin le libéralisme. Et ce dénigrement des récits, bah, la publicité, elle est du côté de ceux qui font les médias. Et comment émerge ce récit, de cette puissance et de ce dénigrement futur, voilà. Un récit, ce n'est pas tout de le créer. Il faut encore qu'un maximum de personnes l'entendent, le voient, y soient confrontés. C'est un problème si, effectivement, les outils de diffusion, pourrait-on dire de propagande, sont contrôlés par des gens qui n'ont pour la plupart pas du tout intérêt à ce que le système change. Vous comprenez déjà où un des nœuds du problème, un des verrouillages. Donc, pour autant, dans les médias, on voit des exceptions, parce qu'ils ne peuvent pas non plus tout contrôler. Donc ils laissent volontairement passer une partie, et c'est le cas dans tout système, une partie d'informations un petit peu anti-système, à l'intérieur du système. C'est bien, parce qu'un système qui ne laisse pas de soupape pour s'exprimer les opinions anti-système est un système qui se casse la gueule. C'est justement pour éviter que ça ne pète, la cocotte minute ne pète, qu'on laisse une petite marge s'exprimer anti-système. Et après, on peut toujours dire, oh non, regardez-moi, il n'y a pas d'inéditorial fixe, carré, la preuve. On a publié ça, on a mis ça à l'antenne. Et donc, il faut être malin. Il faut être malin, il faut utiliser cette toute petite marge de manœuvre pour créer des gros chocs. Il faut être malin pour faire en mode cheval de Troie des projets où on arrive tout beau, tout propre, et on passe à l'antenne, et d'un seul coup, quand on est en direct, là, on balance un truc absolument monstrueux, et on renvoie vers des choses qui sont en ligne tant qu'on peut. Pour l'instant, il y a encore Internet, il y a encore des réseaux sociaux. C'est vraiment totalement nul la manière dont c'est organisé, dans le sens où ça crée des bulles informationnelles, des communautés online qui se montent le bourrichon entre elles, etc. Et ça clive complètement les sociétés. Ce n'est pas du tout aujourd'hui quelque chose qui... Moi, je suis sur YouTube. Moi, je suis suivi par les mêmes personnes depuis des années. Quelques dizaines de milliers, dans les meilleurs des cas, on est sur un nombre de personnes à 6 chiffres. Mais c'est tout. Et la plupart des gens, évidemment, ne savent absolument pas que j'existe, parce que jamais ils ne verront mes contenus ou mes vidéos, jamais. Donc, l'important, c'est d'avoir accès à quelque chose qui est grand public, qui dépasse justement ce cadre de l'entre-soi et de la bulle informationnelle, ou de la communauté online, virtuelle, enfin, de la communauté, online ou pas, et d'arriver à balancer une information qui sera tellement choc et dite de manière tellement
bien et précise, que tout d'un seul coup, plein de gens vont se renseigner, vont aller voir. Et ça peut lancer quelque chose. Et pour ça, il faut prendre des risques. Il faut se mettre... Faut être prêt à se mettre en danger. Merci. J'ai une question par rapport aux dernières diapositives que vous avez présentées. Vous avez parlé. J'ai pas compris. Aux dernières diapositives que vous avez présentées. Oui. Vous parlez de la nécessité d'assurer la base vitale à l'ensemble de la société. Non, avant encore, quand vous listiez, il y avait trois étapes. Vous aviez 20 propositions. Voilà. Donc sur la troisième. La 17 voilà, vous parlez d'une base vitale garantie pour tous. Donc ça implique des soins médicaux, ça implique de la nourriture, ça implique des choses qui finalement se basent sur quand même le système économique, enfin un système économique, pas forcément le système économique tel qu'on le connaît. Mais du coup, si on accepte de changer ça, donc de partir sur la voie du déclic, qu'est-ce qui nous assure de ne pas mettre un pied sur la voie du déclin ? Comment on s'organise pour faire ça ? Alors comment on s'organise ? Il y a deux. Alors, une fois de plus, si ça vient du haut, ce sera mieux. Hein. C'est-à-dire s'il y a des gens qui sont élus, et plus ils sont haut placés, plus ils ont une force de frappe sans doute, tant mieux. Hein. Mais moi, je pars du principe que ici, dans cette salle, depuis le départ de Madame la Maire, est-ce qu'il y a d'autres élus ici ? Ah, donc il y en a un. Il y en a un. Donc il y a peut-être moyen d'agir. On imagine souvent, on fait souvent la décorrélation entre ce que l'on est professionnellement, sa fonction, et ce que l'on est à titre personnel. Et donc, il y a des gens qui sont des révolutionnaires dans l'âme à titre personnel, mais par contre, ils sont bien rangés dans leur vie professionnelle parce qu'il ne faut pas déconner, il y a une cloison. Je trouve ça dommage. C'est dommage parce qu'il y a des choses à imaginer. Quand je dis révolutionnaire, c'est une façon de parler. Moi. Mais en tout cas, révolution au sens juste absolu du terme, pas forcément au sens connoté politiquement du terme. Donc il va falloir disrupter ce système. Et donc, il y a des choses à faire également depuis l'intérieur. Et quand on est élu, on peut aussi rentrer en résistance d'une certaine manière. Donc il y en a qui l'ont fait, il y en a qui le font. Il y a des élus qui ont dit, par exemple, chez moi, il n'y a pas de pesticides. Voilà, c'est tout. Point. Chez moi, j'interdis ça. Quelqu'un qui dit, moi, j'interdis la pub dans ma ville. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'interdis les bouteilles d'eau en plastique, c'est fini. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Eh bien, je le prends. Mais non, mais ce n'est pas possible. En France, ce n'est pas possible. Aux États-Unis, c'est possible, pour information. Les maires ont ce pouvoir-là, pas en France. Eh bien, je le fais quand même. Donc, il y a possibilité de rentrer en résistance à plein de niveaux différents. En ce qui concerne l'organisation d'un tel projet, si c'est un projet politique porté par quelqu'un qui se présente en 2022 à la présidentielle, bon, tant mieux. Ça n'arrivera donc pas. On est d'accord. C'est quelque chose qui peut s'organiser au niveau plus local. Et il peut s'organiser par le politique, les élus locaux, ou par le peuple, sous forme d'expérimentation éventuellement, sous forme de mouvements citoyens qui s'auto-organisent. Et forcément, ce sera insuffisant parce que ce sera au niveau local. Mais le truc, c'est pas grave. Le truc, c'est de lancer une dynamique. Est-ce qu'on peut être certain que du coup, on va vers le déclic et pas, enfin, que ce déclic-là ne va pas lui-même entraîner un déclin. Alors, on peut être certain de rien du tout, hein, sauf d'une chose, c'est que si on fait rien, le déclin est assuré. Donc ça, c'est sûr. Donc, ne rien faire n'est pas une option. Pourtant, c'est ce qu'a choisi de faire la grande majorité de la population. Donc, il faut tester et tenter des choses. Mais vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Autant dans la première partie de mon exposé, je suis un expert, autant là, il y a des propositions qui sont plus mon avis personnel, mon analyse personnelle, et quelque part, c'est politique. Pas politicien, ni... c'est pas gauche, droite, machin, je me reconnais pas dans ces clivages-là, mais c'est pas la question. Pour autant, c'est quand même mon avis personnel. Vous pouvez tout à fait tenter d'autres choses. Rien ne vous en empêche. Mais par contre, tentez. Quoi que ce soit, tentez. Voilà. Et une dernière chose, tenter seul, ça veut rien dire. Donc, effectivement, il faut se mettre en groupe, il faut créer des groupes. Et la première chose à faire, parce que souvent on me dit on n'a pas d'argent, mais la première chose à faire, c'est de faire des groupes de travail ou de conversation. Ça ne coûte pas d'argent.
tu mets une feuille, je ne sais pas où il faut la mettre pour que ce soit lu, à plusieurs endroits sans doute dans cette université. Tu mets un papier chez ta boulangère, tu mets en bas de chez toi sur les boîtes aux lettres, n'importe où tu crées un groupe Facebook, mais tu dis, voilà, nous ou je créons un groupe de discussion et de travail sur telle thématique. Venez à tel endroit, telle heure, on discutera. Quoi. Voilà, c'est tout. Et ça commence comme ça. Tu vois ce qui peut en sortir si vraiment tu n'as pas d'idée ou pas assez de moyens ou pas, voilà, ou pas de réseau, pas le bon. Ça peut commencer comme ça. Dernière chose, souvent des élus locaux me disent qu'ils n'ont pas de moyens. Et moi, ce que je dis aux élus, c'est qu'il n'y a pas besoin de moyens quand on est un élu. Même, ça peut en rapporter. En fait, ce qu'un élu territorial peut faire, c'est la chose suivante. Communiquer sur le fait que le territoire est ouvert à des propositions de projets qui vont contribuer à la régénération de la nature et à la mise en place de systèmes sociaux écologiques résilients. Tu dis cette forme-là ou d'une autre forme, c'est pas grave. Mais le fait est que voilà, on est ouvert à ce type de projet. Et en fait, il y a des gens qui vont venir. Il y en a. Des gens du territoire, des gens d'ailleurs, avec des projets très mauvais, mais aussi des très bons. Voilà, donc il faut voir, après il faut choisir, il faut éventuellement retravailler les projets avec les gens, mais globalement dire notre territoire est ouvert. Et ensuite, simplement, aider les gens s'il y a besoin et pour le reste, leur foutre la paix. Voilà. Être un facilitateur, si jamais il y a des blocages, intervenir pour essayer de les débloquer, mais c'est tout. Le reste, laisser les gens se démerder. Et les gens se démerderont. Et peut-être même que ça peut rapporter de l'argent à la commune ou au territoire, puisque peut-être qu'on peut leur louer un terrain. Voilà, donc, ou un local. Donc ça ne demande pas des moyens, ça demande des idées, et ça demande surtout une motivation, et il faut y aller, quoi. Ça ne répond peut-être pas complètement à ta question. Si, si, merci. Bonjour. Il y a deux ans, j'étais venu voir à une conférence qu'avait organisée aussi Anthony. Alors, je ne sais plus comment s'appelle la personne. Vincent Liéger. Voilà. Et j'avais trouvé. Je trouve qu'il y a un commun dans le. Il y a un petit. Je trouve que vous avez un petit biais, vous, les ingénieurs, un petit peu, de toujours vouloir résoudre, en fait, toujours vous mettre dans une posture d'être en capacité de pouvoir résoudre quelque chose. Or, il est possible que le. En fait, tout ce dont on parle, c'est une question de capacité d'adaptation, capacité adaptative, proposition adaptative. Il est possible que l'être humain n'ait pas les moyens de produire une proposition adaptative capable de s'adapter à ses enjeux. C'est tout à fait possible. Et ça peut être un point de départ aussi de considérer ça. Et je pense que dans vos travaux, vous pourriez le considérer. C'est-à-dire considérer qu'en fait, peut-être que nous n'avons pas les moyens de notre propre changement et peut-être que c'est la nature qui sélectionnera l'objet de tout ça. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne, du coup ? Non, qu'est-ce que ça donne ? Je ne sais pas. Mais c'est intéressant et c'est quelque chose que j'envisage parfaitement. Hein. C'est-à-dire que je ne suis pas naïf non plus hein, sur la capacité des gens à se mobiliser comme il faudrait, aussi vite qu'il le faudrait, au niveau qu'il le faudrait, sachant qu'on est à 150 000 lieues d'avoir compris le début de la nature même de la problématique à laquelle on fait face. Bon. Maintenant, moi, je ne cherche pas à sauver le monde. Je ne cherche pas à le préserver et je ne cherche pas à sauver tout le monde. Je cherche à, si je le peux, éviter le plus possible de souffrances évitables. Et si c'est dans une marge, parce que je pense que ça sera peut-être simplement dans une marge, mais cette marge-là, je la prends. Et c'est mon parti de dire, si je travaille dans une marge, tant mieux, je vais essayer de l'agrandir, c'est une grosse marge. Mais c'est tout, certainement pas plus à espérer qu'une marge. Et je pense qu'effectivement, toi, tu essayes de produire de l'inspiration. Mais sauf que moi, dans mon histoire, quand j'essaye de comprendre l'objet et les enjeux, je ne cherche pas à produire de l'inspiration, si tu veux. Je cherche juste à traiter le problème à travers un tas de prismes. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'il est possible que nous n'ayons pas les moyens de tout ça et qu'en fait, finalement, la résilience, elle se joue à l'échelle de nos familles, moi, de ma petite fille naissante, un petit bébé. Et en fait, de traiter ça, en fait, finalement, avec... un peu de survivalisme en essayant de mettre du collectif jusqu'à ce que les 2 milliards de réfugiés viennent chez nous et que je fasse comme tout le monde, que je me batte pour mon assiette et pour ma petite fille. Non, mais c'est possible. Sauf que ce n'est pas sûr non plus. Donc moi, je me bats
sur le « et si ». Voilà, il y a une possibilité pour que, effectivement, ça serve quelque part à rien, et puis ça va évoluer comme ça va évoluer, et puis on s'adaptera comme on pourra s'adapter. Et puis il y a une possibilité pour qu'on puisse tout de même jouer et influer. Et je n'ai pas de certitude, mais je la tente. Et je la tente au moins pas comme avant. C'est-à-dire que je décale un petit peu la manière de s'y prendre. Parce que par contre, il y a des gens qui veulent se battre et qui par contre ne renouvellent pas les modalités de combat ou les modalités de mobilisation. Ils continuent à faire comme on a toujours fait. Ce qui n'a jamais marché avant, ou très mal, ou très peu, ne risquera pas de marcher aujourd'hui. Typiquement, les gens, beaucoup, qui sont des militants ou qui travaillent peut-être dans des associations ou des ONG, par exemple, qui travaillent sur tel et tel sujet, considèrent que, je ne parle pas des ONG de terrain, je parle des ONG qui sensibilisent, qui font beaucoup de travail de com, considèrent qu'il va suffire d'expliquer aux gens et de montrer aux gens par des images pour que les gens comprennent et donc changent. Mais ça n'a jamais marché, ça. Jamais. Alors, ça joue sur certaines choses, ponctuellement. Il y a des victoires. Mais globalement, si l'on regarde ce que l'on pourrait appeler le mouvement de la durabilité, global, ça n'existe pas, mais ce qu'on pourrait mettre dans un même panier tous les gens qui ont eu envie de faire en sorte que le monde soit plus durable, c'est un échec total. Au-delà de quelques victoires ponctuelles, ci et là, ça et là, c'est un échec. Et on continue toujours, à partir de la même prémisse, on va expliquer aux gens, on va communiquer vers les gens pour qu'ils comprennent ce que j'ai fait un peu ce soir. Mais ça suffit en aucun cas. L'homme, ça fait longtemps qu'on le sait en psychologie, n'est pas, donc si vous voulez savoir d'où ça vient, c'est Elliot Aronson dans un bouquin qui s'appelle The Social Animal. Elliot Aronson et son prof qui s'appelle Léon Festinger, qui sont des fondateurs extrêmement connus dans le monde entier, des fondateurs de la psychologie sociale. Et donc, dans The Social Animal, il explique et il démontre, par pas mal d'expériences et de travaux appliqués, que l'être humain n'est pas un animal rationnel, mais un animal rationalisant. L'animal rationnel, c'est un animal qui, parce qu'il a compris quelque chose sur le monde, va adapter ses comportements à ce qu'il comprend du monde. Et s'il y a quelque chose qui change dans sa compréhension de l'univers, il va aussi y avoir quelque chose qui change dans son comportement. Ça, c'est un humain rationnel. Bon, ben, la plupart des gens ne sont pas rationnels, ils sont rationalisants, ils font l'exact contraire, ils justifient leur façon d'être en adaptant leur vision du monde. Voilà ce qu'ils font. La grande majorité des gens font ça par différentes formes de déni pour limiter les dissonances cognitives, patati patata. Donc, au final, l'intelligence humaine, elle est surtout utile, pourquoi ? Pour se trouver des justifications. Et à partir de là, chacun a son propre storytelling, chacun a sa propre vision du monde, il est capable de la justifier. Plus les gens sont intelligents, plus en réalité ils savent justifier l'inaction et le statu quo. Donc dire « ah oui, mais on va s'en sortir parce qu'on est intelligent ». Foutaise, ce n'est pas l'intelligence qui compte. Et donc, à partir de là, on pourrait dire, mais on voit bien que c'est bloqué. Oui, sauf que je te dis, il y a une partie des gens chez qui ça marche quand même. Et donc, moi, je vais juste te ressortir une métaphore que j'ai déjà utilisée à deux, trois reprises, qui est ma version très personnelle de la métaphore du Titanic, de l'histoire du Titanic. Donc, imaginez, vous êtes sur le Titanic, vous êtes à la proue du navire et vous êtes la première personne à voir l'iceberg. Bon, il se trouve que vous savez pas mal de choses parce que vous avez fait une école d'ingénieur à Poitiers, tout ça. Vous savez pas mal de choses. Vous savez qu'il y a, à cause de la densité de la glace, de l'eau de mer, tout ça, il y a 9 dixièmes de l'iceberg qui sont en dessous. Et comme vous voyez que ce qui est à l'extérieur est énorme, vous dites, oula, ah oui, ce qui est en dessous est vraiment très, très, très gros. Et donc, vous imaginez vaguement, vous dites, on va rentrer dedans. Parce que vous avez aussi des notions de l'inertie du navire, sa masse, tout ça, dans l'eau. Vous dites, il faudrait vraiment faire une marche arrière toute, là, maintenant, tout de suite, pour peut-être pouvoir. Mais enfin, bon, il y a de grandes chances qu'on se le prenne. Et vous avez un petit peu des connaissances en résistance des matériaux. Vous savez que si on se le prend, ça va percer la coque, très certainement. Vous savez que si la coque est percée, il n'y a pas les systèmes pour cloisonner l'avarie et que ça va certainement remplir la coque et que le bateau va couler. Vous savez que si le bateau coule, il n'y a pas assez de canots de sauvetage à bord et que les gens qui n'auront pas de canots de sauvetage, vu la température de l'eau, ne vont pas tenir très longtemps. Voilà. Vous faites quoi ? La première chose qu'on fait en général, comme ça dans la pensée, hein, qu'on se dit qu'on va faire ou qu'on ferait, c'est monter à la cabine de pilotage. Capitaine, iceberg droit devant. Et on pense naïvement que le capitaine va vous écouter. Et on pense naïvement que le capitaine va regarder, qu'il va voir l'iceberg et qu'il va faire ce qu'il faut. Sauf que le capitaine, il vous regarde en disant, mais vous êtes qui vous ? C'est la cabine de pilotage, je suis le capitaine, laissez-moi tranquille, virez-moi ce rigolo. Et vous vous retrouvez sur le pont. Vous faites quoi ?
Vous descendez à la salle des machines, là où il y a les gens qui opèrent concrètement le navire, qui sont aux commandes, quoi. Et vous leur dites, hé, hey, marche arrière toute, les gars. Et là, les gens vous regardent, mais vous êtes qui, vous ? Moi, je fais ce métier depuis 25 ans, c'est quoi votre métier ? Moi, je prends les ordres du capitaine. Allez, virez-moi ce rigolo. On se retrouve sur le pont, alors on fait quoi ? Il faut aller voir les gens dans la salle de bal. Et là, ils sont tous en train de danser, de boire du champagne, machin. Prenez le micro en disant, il y a un iceberg droit devant, c'est la catastrophe assurée. Si on ne monte pas tous là, maintenant, tout de suite, dire au capitaine qu'il faut changer de bord, qu'il faut faire marche arrière toute, qu'il faut, vous n'avez même pas le temps de terminer votre phrase, que vous êtes déjà sur le pont. Mais vous n'avez pas complètement perdu votre temps. C'est ça le truc, en fait, selon moi. Pas complètement. Parce qu'il y a un type, un sous-officier qui était là-haut. Il y a un gars plein de cambouis qui était en bas. Il y a deux, trois personnes avec des smokings qui viennent te voir et qui te disent « C'est quoi ton histoire d'iceberg, là ?» Parce qu'ils se disent « Si jamais ce gars-là, il dit vrai, ça vaut peut-être le coup de s'y intéresser quand même. » C'est la toute petite partie des gens qui sont rationnels. Ces gens-là, tu vas leur montrer. Et là, il y a encore deux sous-parties. Il y a une première partie de ce groupe qui s'effondre. « Oh mon Dieu, c'est horrible, on va tous crever. » Parce qu'entre-temps, l'iceberg, il s'est vachement rapproché. « Mon Dieu, c'est horrible, on va tous crever. » Ces gens-là s'effondrent et tu peux rien. Et en fait, moi, quand j'interviens, des fois, je fais peur à des gens. Ce n'est pas le but, mais c'est un effet de bord. Et on me dit, sous prétexte que tu fais peur, tu ne devrais pas le faire. Parce qu'il y a des gens, tu ne te rends pas compte, ça peut créer des dépressions, etc. Je suis désolé. C'est bien. Faites votre dépression. Ce n'est pas drôle, hein, je suis désolé, mais faites-la. Puis quand vous aurez fait votre deuil, d'une certaine vision de l'avenir, d'un certain nombre de choses, quand vous aurez compris là où on peut agir sur le système, là où on ne peut pas agir sur le système, quand vous aurez compris faire la différence entre travailler sur les symptômes, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est important, mais surtout ne pas vous leurrer, ce n'est pas une solution au mal, quand vous avez compris tout ça, vous pourrez enfin vous retrousser les manches d'une façon constructive. Mais pour l'instant, ce groupe-là, et il y a l'autre groupe, très minoritaire, de gens qui disent « Ok, on va se retrousser les manches, on va prendre tout ce qu'on peut utiliser dans ce bateau, on va hacker quelque part la croisière pour fabriquer des canots de sauvetage. » Ils existent, ces gens-là. Moi, je veux travailler avec ces gens-là et je vous dis, vous ne convaincrez pas tout le monde. Le but, c'est de travailler déjà entre personnes qui sont prêtes à se retrousser les manches. Il y en a. On peut faire des choses et rien que ces choses-là, déjà, c'est bon à prendre. Ce n'est pas zéro. C'est des vies sauvées, c'est des endroits, des collectifs qui vont mieux résister demain. C'est peut-être quelque chose de grand, peut-être pas. Peut-être une toute petite marge. Mais c'est bon à prendre. Et si les gens font ça bien, et de manière intelligente et surtout inspirante, ce ne sera peut-être pas une petite marge, ça peut être une très grosse marge. Voilà. Peut-être. Et surtout, arrêtez d'écouter les vieux. Vous survivrez... Pardon. Mais vous survivrez, quoi. Vous êtes vraiment là-dedans et vous avez votre nécessité, quoi. Vraiment votre nécessité, quoi. C'est vrai. Prenez le pouvoir, c'est ça. Merci. Merci, Arthur, d'abord, parce que vraiment, c'était très clair. Je connais très bien ton travail. Voilà. Et pour te dire, je suis content que tu aies parlé de moi. Tout simplement parce que tu as parlé d'un couillon, à un moment donné. Et, voilà, le couillon qui, si je me souviens bien, achète un morceau de terre et essaye de remettre la nature au passage. Voilà. C'est bien ça. Donc, je suis ce couillon. J'ai dit ça ? Oui. J'ai dit couillon ? Ah, c'est vrai ? Tu as dit un couillon, oui. Vas-y, continue. Bon. En tout cas, j'ai un petit peu aussi pensé à moi, je suis désolé, humblement, hein, quand il y a eu la conversation sur les canaux de sauvetage. Voilà. Donc, je suis à l'origine d'un projet en Vienne, hein, pas très loin, donc à 45 minutes d'ici. Et j'essaye de faire ce que tu dis, c'est-à-dire d'être inspirant, de faire un site web, de sensibiliser les gens. Et ce que je m'aperçois, c'est que c'est très, très difficile. Voilà, parce que beaucoup de gens voient d'abord mon action comme l'action d'un couillon, c'est-à-dire je ne gagne pas d'argent, j'en dépense beaucoup. Je ne gagne pas d'argent sur ça, j'investis pas dans du locatif, admettons, donc... Je perds de l'argent, autour de mes proches, hein, j'entends. J'ai essayé de parler au maire de la commune, de mon projet. Alors, ça intéresse le maire, mais seulement si, disons, il y a derrière
peut-être un peu de tourisme qui viendrait ou quelque chose qui rapporterait encore de l'argent. Voilà. Et je dirais que au niveau administratif, il y a beaucoup de freins qui, encore une fois, amènent à des échecs. Et je trouve que c'est très difficile de présenter un récit, je dirais, attirant, inspirant, comme tu en dis, dans des efforts, en présentant, disons, des efforts qui, pour moi, sont louables, hein, mais qui amènent plutôt à des échecs au point de vue eh bien, des valeurs des gens. Voilà, tout simplement. La valeur qu'on peut attribuer à une, comment dire, à une initiative, souvent elle est perçue comme « est-ce que tu as gagné de l'argent ? Est-ce que tu as réussi ? » Si tu n'as pas réussi, eh ben, c'est un truc qu'il ne faut pas faire, quoi. Alors que je pense que la réussite n'est pas forcément dans l'aboutissement. Et voilà, je voulais tout simplement t'inciter à, si possible, eh bien, discuter là-dessus. Si tu as des pistes pour rendre un récit inspirant, alors qu'il s'agit, dans les valeurs actuelles de la plupart des gens, d'échecs. Voilà. C'est très intéressant. Alors, j'ai quelques pistes de réflexion. Hein. Je n'ai pas la réponse à toute la... Pas réponse magique. Hein. Globalement, ce que tu dis, c'est que les gens vont juger des projets nouveaux qui sont en décalage ou en rupture par rapport au système existant. Ils vont les juger à l'aune des critères et des valeurs du système existant. Voilà. Et donc, typiquement, c'est, bon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Hein. Voilà. Et souvent c'est le cas, et si tu as besoin de t'appuyer sur un certain nombre de choses du système existant pour pouvoir monter ton projet parce que tu n'es pas Bill Gates, tout à fait, à ce moment-là, ça devient un peu problématique parce que du coup, tu dois quelque part jouer un peu le jeu du système tout en voulant en sortir, etc. Bon. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais répondre en plusieurs dimensions. Mais la première dimension, c'est qu'il y a, selon moi, tout au projet doit être réfléchi selon un phasage. Il y a différentes phases. Et au début, effectivement, tu as toute une partie du projet qui est encore ancrée dans le système existant. Il faut juste essayer de prévoir, même si ce n'est pas hyper précis, mais il faut prévoir globalement une stratégie qui te fait en sortir progressivement. Souvent, là, je fais mon petit malin, je fais le singe, entre guillemets, en mimant comme ça. Je dis aux gens, voilà, tu es dans le système existant. D'abord, tu vas essayer de tâtonner un peu pour essayer de trouver d'autres points d'appui pour essayer de lancer un autre projet qui est hors du système. Là, mais tu restes, ton centre de gravité, il reste dans le système existant. Quoi. Et c'est très progressivement que tu vas un peu appuyer davantage et puis te fabriquer une assise qui te permet ensuite, dans le meilleur des cas, de basculer progressivement ton centre de gravité jusqu'au jour où tu es capable de sortir complètement du système. Voilà, c'est très progressif. Je dis pas aux gens, allez, quittez tout. Allez vivre tout nu dans le Larzac. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Bon, ou dans la Vienne. Vous êtes tout nu, bien sûr. Hein. Oui, tout nu, j'imaginais bien. Donc, je ne suis pas en train de dire ça. Bon, ensuite, il y a quelque chose qui va se... Il faut miser sur le fait que ça va se tendre dans la société, qu'il va y avoir des crises, ou une crise qui va s'amplifier avec des moments meilleurs, mais globalement, ça va s'amplifier. Et que l'alternative ou les alternatives qui sont fabriquées, qui pour l'instant n'inspirent pas et qui pour l'instant sont jugées sur la base des critères dont tu me parles, ça va changer. Ça va changer parce que si ça commence à devenir très compliqué, voire carrément impossible pour beaucoup de gens, qu'ils ont entendu parler de ton projet et qu'ils voient, encore faut-il que ce soit le cas, qu'ils voient que toi tu t'en sors mieux, que les gens de ton projet, eux, ils sont plus sereins dans leur approche de ça. Ils sont, voilà. Progressivement, ceux qui se sont moqués de toi au début, ou ceux qui ont dit foutaise, dans leur tête, sans même forcément qu'ils s'en rendent compte, la priorisation des critères va changer. Ils vont se dire, finalement, c'est peut-être pas si déconnant son histoire. Et je pense qu'il faut miser sur ça. Et qu'il faut se miser sur le fait qu'il va y avoir un ou des moments de bascule.
Enfin, et c'est la même chose, c'est juste la suite logique de ce que je suis en train de dire, je pense qu'il y a globalement dans l'alternative une émergence qui elle-même suit une forme d'exponentielle si on tient le coup et si on s'accroche. Et l'exponentielle, c'est la, quelque part, c'est la courbe en crosse de hockey, quoi. L'exponentielle, c'est que pendant très très longtemps, on ne voit pas le truc décoller, c'est tout petit, et puis assez rapidement, ça prend énormément d'ampleur. Je pense qu'il y a des points de bascule. Alors, quand je dis des points de bascule, ce n'est pas un jour à une heure précise. Ça se passe sur des mois, sans doute. Mais je pense qu'il y a des moments clés de l'histoire où les valeurs s'inversent. Il y a une inversion de valeur. Et donc, il faut juste, entre guillemets, c'est facile à dire, il faut juste tenir jusque-là. Et c'est normal, c'est presque normal que ça ne décolle pas. L'important, c'est de tenir et de te consolider et de continuer à travailler pour que tout ce que tu fais, ton site web et d'autres choses, ça existe, c'est là. Grosso modo, imagine le nombre de vues d'une vidéo que tu mets sur YouTube, bah, c'est pas grave s'il reste à 33 pendant 6 ans. C'est pas grave si d'un seul coup c'est connu et que la 7e année, il fait 1 million de vues. Bah, il a fait 1 million de vues. Voilà. C'est juste que c'était pas linéaire. Le fait que ça existe fait que ça peut décoller à n'importe quel moment. Donc, tu as ta base. Là. Mais c'est facile à dire, hein, tout ça. Donc, je dirais un dernier truc, c'est que pour rendre les choses inspirantes, il faut essayer de toucher les gens sur les valeurs les plus universelles qu'on a. Il y a beaucoup de gens qui disent que pour motiver, mobiliser les gens, il faut qu'on projette des choses qui soient positives. Et c'est faux. C'est radicalement faux. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais je dis le fait de dire qu'il faut que ce soit positif, mais il n'y a rien, nulle part, qui dit que qu'il faudrait faire comme ça. Dans la littérature, dans la sociologie des mouvements sociaux, il n'y a rien. Pour que ce soit inspirant, il faut que ça touche les gens. Tu peux les toucher par l'indignation, tu peux les toucher par la colère, tu peux les toucher par des choses qui sont très négatives, en fait, mais qui ne sont malsaines que si elles sont réprimées et peuvent être négatives au début, mais saines si elles sont exprimées. Donc, il faut trouver le moyen de proposer des voies d'expression à la colère et à la radicalité de certaines personnes, des voies d'expression qui soient constructives. Voilà. Je pense que c'est le problème d'un certain nombre de gens en politique qui n'ont pas compris que les gens sont en colère et qu'ils ont des raisons d'être en colère et que taire cette colère n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut embrasser cette colère, lui donner un écho, mais en la canalisant vers des choses qui sont constructives plutôt que vers certains extrêmes qui ne vont pas vers ces choses constructives-là. Donc, utilise le bon, le beau, le noble, la colère, l'indignation, tout ça, et ne te mets pas des barrières en disant voilà, il faut que ce soit positif. Et ne te dis, mets pas de barrières, je termine aussi, en te disant il ne faut pas faire peur, parce que c'est faux, c'est pas vrai. Là, si vous voulez, vous irez regarder, pour ceux que ça intéresse, une méta-étude parue en 2015 qui s'appelle « Appealing to Fear », qui a étudié 127, et puis le titre a une suite, enfin ça commence comme ça, si vous tapez « Appealing to Fear », vous trouverez, qui a étudié 127 études qui, elles-mêmes, avaient étudié les effets de la peur en termes de mobilisation. Est-ce que la peur, ça bloque les gens? Est-ce que la peur, ça induit des réactions qui sont contre-productives, qui sont négatives, qui sont destructrices? Et la réponse, c'est non, jamais. La peur est très efficace pour mobiliser les gens. Par contre, ça ne dit pas comment ça les mobilise. Attention, ça fait que les gens, s'ils ont peur, ils vont bouger. Mais est-ce qu'ils vont bouger bien? Ça, c'est encore autre chose. Donc, il ne faut pas se priver, entre guillemets, de dire les choses aux gens, même si ces choses font peur. Par contre, il faut aussi équiper les gens en même temps d'outils pour qu'ils utilisent cette peur de manière concrète. Pour finir, dernière phrase, dans les mouvements, dans les gens qui se bougent, par exemple, Ville et Territoire en transition, il y a des gens qui construisent une société post-pétrole. Il y a un point commun à tout le monde, tous les gens, tous ces militants-là qui se sont remis en question dans leur mode de vie, qui construisent une alternative. Tous ont un point commun. Ils ont peur. Tous. Ils ont un autre point commun. Ils ont décidé de ne pas s'arrêter là. De faire quelque chose de cette peur. De se retrousser les manches, collectivement, et de construire activement de l'espoir.
Donc la peur, elle est indispensable. Donc ne pas se priver, ne pas avoir peur de faire peur, ce serait ridicule. Tout ça à mettre en avant en même temps pour faire ta propre bouillie qui fait qu'au final, avec ton petit truc à toi, c'est inspirant. Il faut que tu amènes ton petit truc à toi. Tu l'as, je suis sûr. Ouais. On a le temps pour une à deux questions maximum. Je promets de ne pas répondre en plus de 25 minutes à chaque question. Déjà, merci pour cette conférence. Alors moi, j'ai l'impression, j'ai cru comprendre que votre système, il était basé sur un effondrement, puis après une reconstruction. Mais moi, j'ai l'impression qu'on sort d'une pandémie, le monde, il était à l'arrêt, et je n'ai pas l'impression que le monde, il soit mieux avant, il soit plus social, enfin mieux maintenant, qu'il soit plus social, qu'il soit plus écologique. Du coup, est-ce que c'est possible de faire une transition, mais sans qu'il y ait d'effondrement, sans qu'il y ait une grande crise, que maintenant, on arrive à faire prendre conscience à la majorité de la population qu'il faille changer et que ça ne se fait pas forcément dans la douleur? Je n'ai pas dit qu'il y aurait ou qu'il fallait qu'il y ait ou qu'il ne pouvait y avoir que effondrement puis remontée. Peut-être que tu vois ça parce que j'ai mis la courbe de la résilience, où ça part vers le bas avant de remonter. Là, je parle d'une crise, une crise spécifique, parce qu'en fait, les grandes dynamiques qui vont marquer les sociétés humaines dans les prochaines décennies vont aussi se traduire, on va avoir des implications dans des crises ponctuelles qui vont consteller. Pour chaque crise, effectivement, il y a une disruption de l'ordre établi avant de remonter. Mais globalement, moi je dis qu'il va y avoir une descente énergétique et matérielle constellée d'un certain nombre de problèmes. Voilà ce que je dis. Je ne dis pas qu'il va y avoir effondrement. Je dis que si on développe la résilience, on peut justement éviter l'effondrement localement. Localement. Et je dis que si en plus on fait ça ensemble, en dignité et en cohésion collectivement, alors en plus, c'est pas forcément un mal. C'est-à-dire que même si, attention, j'ai pas dit que ce serait drôle, hein, et pour autant, après coup, in fine, peut-être réalisera-t-on qu'on a perdu certaines choses, mais qu'on a aussi gagné des choses qui sont vachement chouettes. J'ai pas dit cette question d'effondrement nécessairement. Au contraire, la résilience, c'est pour essayer de ne pas s'effondrer. La crise parfaite n'existe pas. La crise parfaite, c'est la crise qui est suffisamment grave, vicime, pour que tout le monde d'un seul coup réagisse que « Oh, mon Dieu, on est passé à ça, il faut changer », sans que ça ne s'effondre. Et du coup, nous laisser le temps quand même de l'organiser. Soit ça s'effondre, soit ça ne s'effondre pas, et la plupart des gens diront « Ouais, c'est bon, on est solide, on continue comme avant ». Donc, lorsque les gens survivent à une épreuve, mais il y en a certains, pas tous, hein, il y en a certains qui, au lieu de prendre conscience de leur finitude et d'à quel point ce n'est pas passé loin, il y en a aussi certains qui se sentent invincibles. Et l'humanité, des fois, elle réagit comme ça, c'est un peu bizarre. Donc, la crise parfaite, cette crise-là, elle n'existe pas. La crise sanitaire, ce n'est pas du tout ça. Dès le début de la crise sanitaire, il y a eu pas mal de gens qui pensent effondrement, des choses comme ça, qui ont parlé un peu trop vite à mon goût, qui ont dit ah ben voilà, ça y est, c'est bon, ça s'effondre. Et puis il y en a même qui ont dit ah ben ça va beaucoup plus vite que ce qu'on avait imaginé en plus, ça y est, le moment il est là. Je dis bon, finalement, ça ne s'est pas profondément effondré. Alors je ne dis pas que la crise n'est pas profonde, je ne dis même pas qu'elle est finie, parce que. Mais pour autant, on verra jusqu'où ça va. Pour moi, il n'y a pas de certitude du tout de. Comment ça va terminer cette histoire? Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est simplement un révélateur. Cette crise a été un révélateur d'un certain nombre de nos dysfonctionnements et de nos faiblesses et de nos vulnérabilités. À un certain nombre d'égards, elle va avoir des effets positifs. À un certain nombre d'égards, il y a aujourd'hui des envies ou des idées ou des projets de relocalisation ou de renationalisation d'un certain nombre d'activités dont on avait perdu la maîtrise pour redevenir maître, quelque part, de certains flots d'approvisionnement ou certaines industries. OK. Et puis, on a vu aussi des gens qui se mobilisaient, on a vu des gens qui spontanément faisaient preuve de résilience parce qu'on était dans la cohésion collective et qu'il y a des choses qui s'organisaient un peu comme des générations spontanées qui ont donné un peu du cœur à l'ouvrage et qui se sont dit « Ah, il y a peut-être un espoir à avoir, au moins dans une partie de la population. » Très bien. Et pour autant, regardons globalement ce que veut le monde,
Et ce que le veut le monde, c'est revenir à la normale. Vite, 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 reconsommer comme avant. À 6% de croissance. Comment ? Oui. À 6. Ah bah oui, voilà, bien sûr. Oui. Et donc, on n'apprend pas, pas fondamentalement. Donc, faire comprendre aux gens qu'on peut changer et que ce n'est pas forcément synonyme de douleur, tu peux le faire, mais ce n'est pas le commun des mortels, enfin, ce n'est pas le grand, grand public, tu vois. Les riches s'en foutent, les riches se croient à l'abri, les pauvres, la plupart, en tout cas, n'ont pas le luxe, pensent-ils du moins, de s'intéresser à ces questions. Et puis, il y a tout un tas de communautés, on va dire, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient géographiques, qu'elles soient sociales, qu'il y a des gros groupements, où ce dont on parle ici, je ne sais pas comment faire en sorte que l'information leur parvienne. Ils ne savent même pas. Donc tout ça rend les choses très compliquées. C'est pour ça, une fois de plus, que moi je pense qu'il faut travailler d'abord dans une marge avec des gens qui sont prêts à se retrousser les manches, mais à travailler sur le rendre inspirant, faire grossir ça, etc. Et ensuite, il y a quelque chose qu'il faudrait faire, mais moi je ne peux pas être partout, donc je peux le dire, mais je peux difficilement le faire. Par contre, peut-être que certains d'entre vous peuvent le faire, c'est si vous êtes vous-même issu de ou en contact avec une ou des communautés qui culturellement, spontanément, ne parlent pas de ces sujets-là et factuellement, ben, dans lesquels l'information ne circule pas, ben, essayez de voir si vous ne pouvez pas trouver des gens qui s'y intéressent, des gens qui sont de potentiels ambassadeurs, on va dire, ou relais de l'information, ou influenceurs même peut-être au sein de leur communauté. Ça, c'est très important. Et ensuite, moi, je veux bien travailler avec eux, non pas pour me montrer partout Arthur Keller, mais pour équiper ces gens de ce dont ils ont besoin pour communiquer dans leur communauté à leur façon. Et là, on commence à sortir de l'entre-soi, et là, on commence à agrandir un peu le cercle de manière efficace et utile. Mais pour ça, j'ai besoin d'aide, et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, mais il faut élargir le scope, comme on dit. Donc, n'hésitez pas à venir me voir maintenant ou à m'envoyer un message plus tard, si jamais vous-même êtes... ou si vous connaissez des gens qui peuvent ouvrir quelque part, inaugurer un passage pour ces informations-là vers une communauté qui n'en parle jamais. Merci. Je vais prendre la question de changer de système. Derrière ça, moi, je mets le mot, c'est un problème de civilisation industrielle. Oui. Tu emploies le mot civilisation, j'ajoute le côté industriel, destruction du vivant. En gros, c'est ta flèche nature-déchet. Oui, c'est tout. Évidemment, je schématise beaucoup, mais oui. Et en fait, les intérêts. Bookchin était derrière ça. L'avidité de quelques-uns est plus forte que l'entraide de tous. Comment on vrit ça? C'est vrai. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut mettre des barrières, des limites. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas arrêté de défaire, en fait. Il y en avait quelques-unes qu'on a défaites. On a séparé les banques d'investissement, les banques de dépôt. C'est allez-y, que le meilleur gagne. On a des gens qui sont richissimes à un point qui n'a aucun sens et pas de limite, pas de limite. Si Jeff Bezos ou Elon Musk ou machin, s'ils veulent essayer de multiplier leur fortune encore par 10, par 100, par 1000, ce qui n'aurait aucun sens, ils peuvent le faire. Ce que je veux dire, ils peuvent le faire. Ils sont libres d'essayer. Et s'ils y arrivent, tant mieux pour eux. Nos limites. Ça, c'est évidemment, c'est un peu problématique. À côté de ça, ce que tu dis, c'est, par exemple, si dans une communauté, on est 100, et si sur les 100, il y en a 98, ce qui est très optimiste, je pense, mais bon, il y en a 98 qui sont orieux, qui sont plutôt en mode entraide, mais que tu en as deux, seulement deux, qui sont en mode individualisme, et je prends tout et j'écrase les autres pour passer, c'est comment ? Liberté individuelle. Exactement. Si tu veux, ces deux-là vont foutre le bordel. Ça ne s'équilibre pas. De la même manière que on me dit souvent... Oh, quand même, t'as une vision très, très noire du monde et de l'avenir. Mais ce n'est pas vrai. Mon travail, c'est les risques. Je ne suis pas ici pour vous faire un portrait de tout ce qui va mal et de tout ce qui va bien dans la société. Je vous dis, là où il y a des gros, gros, gros risques. Et ça ne s'équilibre pas avec ce qui va bien. Et ben ouais, ça ne s'équilibre pas, le négatif et le positif. Donc il y a des gens qui disent, ouais, mais t'oublies que ça, ça va mieux. Il y a l'éducation des filles, c'est mieux au niveau mondial. Et puis ceci, d'accord. Et alors ? Et alors ? Et en quoi ça va éviter la descente énergétique et matérielle dont je parle, quoi ? Donc, ça ne s'équilibre pas.
Donc ça, c'est pareil. Il y a plein de choses comme ça. Il y a du négatif, il y a du positif, et ça ne s'équilibre pas. Aussi, je voudrais réagir à un truc, parce que ça fait deux fois. On ne se connaît pas, mais on a juste échangé quelques mails avant, mais ça fait deux fois que tu utilises le mot liberté. Je vois que tu es assez branché sur ce, sur ce sujet. Je vous encourage vivement à penser à ça, à réfléchir à ce sujet de la liberté ou des libertés. Parce qu'aujourd'hui, c'est un concept qui est fondamental et qui est complètement oublié, qui est gâché. Concept qui est gâché. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Une société libre, une société où il y a les conditions de la liberté pour chacun, c'est une société où il y a des limites à ce que l'on peut faire. On n'a pas de liberté de détruire. On n'a pas de liberté de tuer, logiquement, dans nos sociétés. Celles dans lesquelles on vit, il y en a certaines où ce n'est pas encore tout à fait le cas. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire, ou avec des limites. Et puis d'un seul coup, on a enlevé les leviers, on a déverrouillé les limites à un certain nombre d'autres égards, notamment pour l'amassement, je ne sais pas comment on dit, le fait d'amasser, d'accaparer du capital, nécessairement au détriment des autres. Tant que le monde était en croissance, on pouvait imaginer que le gâteau grandisse pour tout le monde. Donc certains pouvaient s'enrichir, beaucoup, d'autres moins, mais on pouvait imaginer que tout le monde s'enrichissait. Bon, ça n'a jamais été comme ça, le monde est beaucoup plus injuste. Mais passons, c'était une possibilité au moins théorique. On atteint les limites. Le gâteau va commencer à décroître. Déjà, même si on est en taux de croissance toujours positif, la croissance diminue. C'est-à-dire qu'on était à plus, en moyenne mondiale, on était à plus 5% de croissance dans les 70, plus 4 dans les années 80, plus 3 dans les années 90, je schématise. Et là, maintenant, on est rendu à plus 1 niveau en termes de croissance mondiale. D'accord ? Et bientôt, on va passer à zéro, puis en négatif. Et dans ce monde-là en contraction, le bonheur des uns commence à faire le malheur des autres. L'accaparement des uns forcément rogne sur ce que les autres peuvent faire. Et quand on dit, et ceux qui disent, les écolos, c'est des Khmers, bizarre d'ailleurs de dire ça, parce que les Khmers, c'est un peuple, hein, donc c'est évidemment par référence aux Khmers rouges, qui étaient Pol Pot et compagnie, qui étaient du côté de la dictature. Ou alors c'est des ayatollahs qui veulent nous imposer des choses. Quand on dit ça, c'est quand même assez étrange comme concept. Grosso modo, ce sont des gens qui disent « Laissez-moi faire ce que je veux. Tout ce que je veux. » Mais ça, est-ce que ça mène à une société libre? Ça mène à... Il y a une conception qui est déformée. Personne ne fait tout ce qu'il veut, sauf quelques personnes richissimes ou hyperpuissantes. D'accord, il y en a quelques-uns. Mais le commun des mortels ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut dans la limite de ce qu'il peut. Si vous avez envie d'aller dans l'espace, vous ne pouvez pas, vous. Donc, défendre la liberté en disant chacun fait ce qu'il veut, c'est en réalité défendre un monde où il y en a quelques-uns qui peuvent tout et la plupart qui ne peuvent quasiment rien. Ce monde-là n'est pas un monde libre. Remettez bien ça en question, parce que la somme des libertés individuelles, ça ne fait pas une société libre. Et on a besoin d'une société libre, on n'a pas besoin de chacun qui fait ce qu'il veut dans son coin. L'individualisme, sous toutes ses formes, est disruptif. Il finit par l'être. Je ne sais pas si ça t'a fait plaisir que j'ai dit ça, je ne sais pas si tu veux compléter, mais je pense que c'est absolument important de reparler de cette notion clé. D'ailleurs, attends, avant, liberté, égalité, fraternité, pareil, hein, il y a trois notions clés dans les valeurs qui sont au fronton là, des mairies et dans la République française. Ces trois valeurs-là sont toutes les trois mécomprises. Toutes les trois. Liberté, c'est société libre. C'est une valeur collective. Ce n'est pas une valeur individuelle. C'est collectif. Sinon, ce n'est pas une société. Ce n'est pas une république qui se définit par liberté. Ni égalité. L'égalité, d'ailleurs, on comprend un peu mieux. Mais l'égalité, c'est l'égalité de droit. Bon. Et puis fraternité. Elle est où, la fraternité, dans cette société? Heureusement, il y en a un peu. Hein, mais globalement, les chefs d'État, le monde économique, il est fraternel. On vit dans un monde qui est dirigé par l'économie
Et l'économie, elle est chacun sa peau et que le meilleur gagne. C'est l'inverse de la fraternité. Donc nos valeurs essentielles, on les bafoue, on les piétine. C'est un grave problème. Notre constitution, on n'y accorde aucune espèce d'importance. Allez, dernier truc. Allez, faites-moi plaisir. La constitution, c'est censé être la loi suprême, la loi au-dessus des lois. Et logiquement, quand il y a une activité qui est anticonstitutionnelle, alors à ce moment-là, il y a un couperet qui tombe, il y a un conseil constitutionnel ou je ne sais qui est censé intervenir. Maintenant, regardez ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Le bloc de constitutionnalité, c'est la Constitution et quelques autres textes qui ont valeur constitutionnelle, qui ont été adossés à la Constitution et qui ont la même valeur que la Constitution. Parmi ces textes, il y a la Charte de l'environnement de 2004, qui a rejoint le bloc de constitutionnalité en 2005. Lisez-la, c'est très court. Et vous verrez que à peu près l'intégralité des activités économiques sont anticonstitutionnelles. Parce que l'article 2 de la Charte, je vous dis que celui-là, allez voir les autres, l'article 2 de la Charte de l'environnement, c'est tout le monde, non, pardon, pas tout le monde, chaque personne, c'est-à-dire, c'est pas chaque individu, hein, c'est chaque personne. Donc personne physique, vous, moi, personne morale, les entreprises, les... Chaque personne a le devoir de participer à la protection et à la restauration de l'environnement. Ah bon? Eh bien, dis donc. Et donc, je ne vais pas compléter, mais je vais te remercier. Et donc, je pense qu'on peut remercier Arthur Keller pour cette réponse. Merci. Je peux terminer par un petit exercice? C'est très court. Ça dure 10 secondes. C'est pas de moi, je le dis aussi, je le dis tout de suite, c'est pas de moi, et je suis très jaloux, j'aurais bien voulu l'avoir inventé. On fait un petit exercice. Mettez vos mains comme ça. Pas comme ça, comme ça. Très bien. Je vais compter jusqu'à 3. Et quand je prononcerai le chiffre 3, vous claquerez des mains. Si on fait ça bien, quelqu'un qui serait situé à l'extérieur de la pièce n'entendra qu'un grand clap. D'accord ? C'est clair ? Je compte jusqu'à 3. Et quand je prononce le chiffre 3, vous claquez des mains. D'accord ? Allez, on y va. 1, 2, 3. Quelques-uns. Et la conclusion est la suivante. Je vous expliquais les règles du jeu. Elles étaient extrêmement simples. Vous les avez entendues et vous les avez comprises. Et pourtant, vous n'avez pas été fichu de les appliquer correctement. Vous savez pourquoi ? Parce que les actes comptent plus que les paroles. Alors quand vous sortirez d'ici, parlez si vous voulez, mais surtout agissez.